bons éléments.
Alors, à chaque fois, vous prenez le temps qui va bien pour permettre à chaque élu de prendre un peu de temps, mais d'ouvrir son micro, de répondre présent et de refermer. Allez-y, monsieur Rasser, vous avez la parole. Stéphanie Auger. Merci de bien éteindre tous vos micros et seulement ceux qui répondent présents. Plus fort, s'il vous plaît. Plus fort. Stéphanie Auger. Karine Beauvillard. Présente. Nathalie Béton. Présente. Sylvain Bonenfant. Présent. Colette Bonnard. Présente. Sylvain Borreggio. Présent. Liliane Bourgeois. Présente. Cécile Caron. Présente. Christophe Chambon. Présent. Gérard Chéron. Présent. Françoise Colmar. Francis Courel. Présent. Jocelyne de Tomasi. Présente. Catherine Delalande. Présente. Angèle Delaplace. Présente. Marie-Annick Dehaye. Présente. Julie Desplats. Présente. Frédéric Duché. Présente. Myriam Duteil. Présente. Thomas Alexhauser. Présent. Michel François. Présent. Florence Gauthier. Présente. Nicolas Gavard-Gongalu. Présent. Nicolas Gravel. Xavier Hubert. Présent. Marc-Antoine Jamais. Présent. Daniel Joubert. Pardon. Daniel Joubert présent. Claire Lacampagne-Crochet. Présente. Chantal Le Gall. Respectueux d'Alexandre. Présente. Jean-Pierre Leroux. Présent. Sébastien Lecornu. Présent. Jean-Paul Legendre. Il va nous rejoindre. Yannick Léger. Présent. Pascal Lehongre. Présent. Diane Seigneur. Présente. Arnaud Levitre. Présent. Okay. Il y a de l'écho. Michael Onodibio. Présent. Manuel Ordonez. Présent. Micheline Paris, excusée de ne pouvoir à Thomas Alexhauser. Thierry Plouvier. Alexandre Serre. Présent. Martine Saint-Laurent. Ok, Thierry. Présente. Marcel Sapovic. Que j'ai vu. Marie Tamarelle Verrague. Présente. Anne Terlez. Présente. Marilyn Wagner. Présente. Juste, est-ce que Stéphanie Auger est bien là? Oui, là, je dois me ré. Ok. Et Françoise Colmar? Non. Nicolas Gravel? Ouais. Et Jean-Paul Legendre va nous rejoindre. C'est bon. Attends. Oui, c'est bon. Merci. Merci, monsieur Rasser. Je constate que le quorum est atteint. Les différents pouvoirs ont pu être enregistrés. Est-ce que les groupes politiques souhaitent déposer des motions ou des vœux en discussion pour la fin de cette séance plénière? Je vois non pour le président Jamais, non pour le président Lehongre, pour le président Levy. Ouais, je présente le vitre. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, enfin, Président Lehongre s'enflamme un peu en vous disant oui, mais on vous comprend en tout cas.
Non, mais je voulais faire une déclaration d'ouverture, mais vous me dites quand... Vous en avez le droit dans un instant. La question première était, est-ce que vous, votre groupe dépose un vœu ou une motion pour la fin de la discussion de l'ordre du jour ? La réponse est non. Et donc, on passe au débat de politique départementale. Et bien, puisque vous avez tiré le premier, je vous propose que l'avenir en partage ait le premier, le temps de parole. Allez-y, Monsieur le Président. On appelle ça l'anticipation, cher Président. Voilà. Pour trois minutes, messieurs, au moins. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, chers collègues, avant toute chose, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous, évidemment, une bonne et belle année 2022 et surtout une bonne santé. La santé, justement, il va en être question lors de mon intervention d'aujourd'hui. Le 15 décembre dernier, avec 10 jours d'avance, Jean Castex a porté leur cadeau de Noël aux fanatiques du tout béton et au lobby du tout camion en annonçant la validation du projet de contournement S. Il s'était pourtant engagé à ne pas aller contre l'avis des élus qui s'opposent à ce projet destructeur de vie et de paysage. Car rappelons-le, à ses 41,5 km d'autoroute, la métropole de Rouen a dit non. Au financement de ce projet, le département de l'Eure a dit non. Quand on interroge l'agglomération Seine-Eure, elle dit non. Et quant aux associations citoyennes, évidemment, elles disent non, non et non. Être contre ce projet, c'est se dire que les nouvelles problématiques du 21e siècle ne se résoudront pas sur les bases d'études du passé. Nous voulons de l'air, du bon, pas l'équivalent d'un marathon de béton et de goudron. Nous refusons le développement des cultures à particules fines dans l'Eure comme en Seine-Maritime. On parle de 50 000 tonnes de CO2 supplémentaires par an. Avec ou sans masque, nous n'aurons pas fini de cracher et de tousser. Pourtant, d'autres solutions, nous sortant des mauvaises habitudes, existent, notamment dans le département de l'Eure. Tout d'abord, il faut rendre aux habitants la gratuité du péage d'Incarville. Nous devons également investir et miser sur le développement des transports en commun. Aussi, pourquoi ne pas mettre le paquet sur le ferroviaire, tant pour le fret que sur le transport de particuliers ? N'oublions pas non plus les possibilités déjà actées d'aménager des quais fluviaux permettant d'acheminer les matières premières industrielles, notamment par la Seine. C'est notamment le cas à Alizay avec le projet de quai fluvial. Ces alternatives modernes, audacieuses, parfois courageuses, sont en phase avec l'impératif environnemental et climatique. Elles peuvent nous éviter un projet extrêmement coûteux. On parle au bas mot, vous le savez, hein, d'un milliard d'euros, mais ce sera évidemment beaucoup plus. Avec des péages de 5 euros par véhicule, 40 km seront soit désertés, soit l'excuse pour un nouvel impôt qui ponctionnera le pouvoir d'achat des habitants de notre bassin de vie. À rebours de toutes les recommandations environnementales, ce pseudo-contournement Est, qui ne résoudrait aucun des problèmes d'embouteillage du nord de Rouen, c'est important de le rappeler, participerait à une artificialisation des sols de 516 hectares, dont 270 de terres agricoles et 142 de forêts, impactant considérablement notre belle forêt de bord. Enfin, que dire de ces 8 viaducs qui défigureront notre territoire ? Comment accepter qu'on saccage le magnifique paysage de la Côte des Deux Amants dans le canton de Pont-de-Marche ? L'Eure ne doit plus être seulement ce département si souvent traversé à toute vitesse par d'autres qui n'y vivent pas, mais un territoire respecté où il fait bon vivre. Nous n'avons pas à être le pot de chambre du trop-plein autoroutier. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, chers collègues, notre combat ne s'arrête pas là. Avec ses élus, avec le collectif A133-134, avec l'association Non à l'autoroute, nous regardons la possibilité de recours juridique toujours possible. Tout cela peut porter haut, fort et loin quand les actions politiques et populaires se combinent, se rassemblent avec le plus grand nombre d'entre nous. Bossuet disait « Dieu rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes ». Alors, luttons contre les causes, perdons nos vieux réflexes du tout béton. Osons ne plus céder à la tentation du tout béton. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, nous le savons tous désormais. Nous avons besoin d'une transition écologique et solidaire. Vous-même, vous avez été secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Alors, pouvez-vous vous engager publiquement à être le porte-voix fidèle des habitants et des élus de votre territoire qui ne veulent pas voir ainsi souiller leurs champs et forêts, leurs coteaux et prés, leurs villages et vallées ? Dites-nous comment vous pouvez intervenir pour que nos cadres de vie soient respectés, tout comme nos décisions et notre santé. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Y a-t-il d'autres prises de parole au titre de la DG ? Monsieur le Président, jamais, je vous en prie, vous avez la parole.
Oui, décidément. Pardon. Non. D'abord, je suis heureux de pouvoir saluer notre collègue Arnaud Levitre, qui représente le communisme à visage humain. Et je vois, Arnaud, que tu as pu te remettre d'un accident récent qui t'avait évidemment fait un mal terrible. Je salue ton courage parce que c'est un accident qui est impressionnel. Et je commence. Monsieur le Président, chers collègues, je ne veux surtout pas vous emmerder, bien évidemment, même si pour certains, nos devoirs, comme la monarchie d'Ancien Régime, précèdent maintenant nos droits. Je pense que la politesse, l'exemplarité, le respect sont des obligations républicaines auxquelles aucun élu ne saurait déroger. Cela dit, je veux revenir avec votre permission sur la situation politique de cette Assemblée afin de comprendre comment est dirigé notre beau département depuis que vous en avez repris à M. Lehongre la présidence que techniquement vous lui aviez concédée, alors que je pensais que moralement vous lui aviez définitivement donné, mais les choses changent. Je ne sacrifie pas de critiquer une fois encore, mais vous me le permettrez quand même, parce que rien n'a changé. Votre personne, à la fois beaucoup ministre, un peu sénateur, vizir à l'AREM, Shogun de Vernon, sultan de l'EPBS, héros de cette Normandie agglomération, c'est vrai, et par-dessus tout notre grand timonier départemental. Je sais que vous avez une grande force de travail. Je ne veux pas davantage m'interroger sur l'incompatibilité qui pourrait exister entre un rôle exceptionnel qu'on vous prête dans une future campagne, un futur candidat, une future présidence de la République, à moins que vous ne soyez disqualifié pour ce poste, ce que je ne souhaite pas, mais je ne peux rien faire. Et hiatus avec votre humble tâche, notre humble tâche, vous le savez, au service quotidien des Eurois. Je sais que vous avez une grande capacité de délégation. Je ne veux pas également mettre en doute votre bilan comme ministre de l'Outre-mer, insécurité à Mayotte, fronde à la Martinique, émeute à la Guadeloupe, référendum qui ne règle rien à la Nouvelle-Calédonie, mais en êtes-vous responsable, couvre-feu à La Réunion et record de pluie en Guyane, est-ce vous, la météo? Non, fort heureusement, à l'heure qu'il est, aujourd'hui, Wallis et Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon ne sont pas en proie à l'insurrection. Je vous félicite, je sais que passer sa vie dans un avion n'est pas une sinécure, enfin je ne devrais surtout pas être désagréable. Et celui qui chaque semaine change nos horaires, nos ordres du jour, nos dates de débat, expédie la commission permanente en 20 minutes quand même, et oublie de voter son budget. Je sais que c'est à la manière de Spider-Man que vous gérez notre Assemblée, et vous êtes un homme moderne. Tout juste puis-je vous rappeler un dicton de nos grands-mères qui trop embrasse mal étreint, et vous souhaitez, mais véritablement au nom de la sympathie et de la bienveillance que vous avez, et je le reconnais, pour vous, une santé de fer, c'est important, et un agenda qui vous laissera un peu de temps pour le repos, la réflexion, et si je puis me permettre, dans une chose très personnelle, pour vous-même également. En très modeste opposant, dernier mohican des socialistes rois, presque, je vous confirme que je ne veux ici vous parler de la réalité de notre majorité locale, celle au nom de laquelle vous gérez notre département en fonction d'orientation, de vision, donc faute d'explication, on se demande bien un an après votre élection ce qu'elles sont, où en sont les acquis, où en sont les résultats, et la trace que tout ça laissera d'ailleurs, parce qu'il faut un peu travailler pour le futur. Je peux me permettre ce jugement sévère parce que je vais aller dans votre sens, soutenant une candidate de mon parti qui culmine à 3,5% des voix. Je n'ai pas d'ambition d'accéder immédiatement au pouvoir et je n'ai pas à rendre compte non plus, contrairement à vous qui avez la majorité et le pouvoir. Voilà pour vous éviter une pirouette. Je voudrais décrire cette Assemblée. Aujourd'hui, l'hémicycle est désert, il est confiné, mais il vous soutient en général, périmé à cadaver, en rassemblant derrière votre personne, depuis les dernières élections, 90% des conseillers. Bien qu'on puisse douter que cette répartition soit une photographie exacte des opinions politiques du département, je note que cela n'a pas suffi et que pour sauver le soldat Quetel, cette girouette supersonique, ou parce que vous montrez parfois un peu mauvais joueur face à Yannick Léger et moi-même, vous avez multiplié les contentieux contre les socialistes qui t'a risqué de nouveaux échecs. C'est donc aux 39 membres de la majorité départementale que je m'adresse. Voici quelques jours, j'ai lu, médusé, la tribune qu'une grande partie d'entre eux avait signée pour protester contre les méthodes de désignation aux prochaines élections législatives des candidats LR. Ce parti, il faut le préciser, reste celui de la plupart d'entre vous. En effet, moins de 6 mois après avoir été élu, nombre de ceux qui, pour vous rejoindre, et c'est bien, avaient courageusement oublié leur étiquette, ont redécouvert qu'ils étaient des militants du parti de Valérie Karcher-Pécresse, et accessoirement de Éric Expulsion Ciotti. Passons. En revanche, c'est un bien triste spectacle, Diane, que de voir des élus de majorité divisés consacrer la toute première expression publique de leur mandat à s'écharper, à se déchirer, à se disputer devant les rois, des Marocains et des Strapontins. Puisqu'on peut parler aussi cru que le président de la République, quel foutoir. Cet obscur règlement de compte à la veille de la trêve des confiseurs n'aurait pas prêté à de plus ample considération, commentaire, si nous ne vivions pas une crise que vous connaissez, politique, sanitaire et sociale majeure. Pourtant, dans cette tribune, pas un mot, pour contrer la politique de Mme Le Pen et de M. Zemmour, dont le discours, à la fois réducteur et haineux, séduit hélas 30% des Français et nous réunit pour le combattre.
et tous les démocrates le font. Pas un mot pour convaincre les anti-vax, les complotistes, d'arrêter de saturer nos hôpitaux, alors que c'est notre mission collective et la première. Pas un mot pour nous étonner, et là c'est de l'autre côté, que 20% de nos compatriotes, c'est-à-dire le malaise de la société euroise, prétendent que la révolution immédiate et permanente est la solution à la société française, et je ne vous en savais pas partisan. C'est probablement sur d'autres sujets que les Eurois auraient aimé vous entendre, mais vos dissensions vous ont empêché de vous défendre par une ligne politique claire, par des orientations stratégiques, par des grands projets pour le département. Ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Ce n'est pas cohérent avec les immenses marges de manœuvre que vous avez. Ainsi, votre majorité ferme-t-elle les yeux lorsque la polémique ubuesque de l'extrême droite, marquée à la culotte tricolore par Valérie Pécresse, prétend s'étonner. Et ça, c'est un sujet dont nous aurions pu nous emparer. Que Place de l'Étoile, on place des étoiles pour la deuxième fois en deux siècles sur un monument conçu en 1806 à la gloire d'une grande armée que servaient Français, Polonais, Hollandais et Italiens. Pour fêter et célébrer pendant 48 heures l'Europe que la France, avec le président Macron, va présider pendant 6 mois. Est-ce que l'Europe, ça ne vous intéresse pas? Ainsi, votre majorité ferme-t-elle des yeux et se contente de ranger son porte-monnaie sans protester contre le coup de force d'un Premier ministre, votre Premier ministre, ce qui est embêtant quand même, imposant le cantonnement autoroutier est de Rouen, alors même qu'il s'agit d'un projet qui portera atteinte aux conditions de vie des habitants de notre département. Cache-sex devant un casse-tête signé Castex, l'environnement, est-ce que ça ne vous intéresse pas? Ainsi, votre majorité ferme-t-elle les yeux lorsqu'elle se contente d'inviter Saint-Véran dans l'espoir que par miracle, l'heure échappe à la désertification médicale, pendant que d'autres régions, d'autres départements, comme en Occitanie, droite et gauche confondues, travaillent, s'unissent, se réunissent concrètement pour proposer des solutions là aussi concrètes. Est-ce qu'après l'Europe, est-ce qu'après l'environnement, la santé, ça ne vous intéressera? Ainsi, votre majorité ferme-t-elle les yeux lorsqu'elle s'abstient de prendre la moindre mesure pour enrayer la précarité grandissante des jeunes, lorsqu'elle fait mine d'ignorer les déséquilibres entre l'axe Seine, auquel j'appartiens avec chance, et l'ouest du département, que ce soit en termes d'investissement ou en termes d'équipement, la solidarité départementale, est-ce que ça ne vous intéresse pas? Avant de vous lancer dans la lutte des places, vous l'aurez compris, je pensais que votre majorité aurait pu au moins faire un peu de ménage dans les municipalités que vous revendiquez, qui s'entre-déchirent, avec des conflits qui éclatent à Bernay, à Gaillon, à Évreux, communes qui ne sont pas les plus petites du département et qui correspondent précisément, et on va en parler du département, au canton, où des binômes assez baroques se sont créés quelques semaines avant votre élection. Les habitants de ces villes, vous en aurez été reconnaissants. Ces aveuglements sont révélateurs, et c'est ma conclusion. Ils témoignent du malaise qui peut régner parfois dans vos rangs à la veille d'une élection, de l'affolement devant les grandes échéances, d'un certain amateurisme quand surgissent ces urgences. Parti pour soutenir M. Bonnater au régional, ce qui est un parti pris curieux, mais c'était vrai qu'il n'avait aucune vocation à gagner, vous avez été écrasé par M. Morin, votre meilleur ennemi. Espérant faire le grand chelem aux élections sénatoriales, vous n'avez sauvé que votre siège, battu à plate couture par l'alliance de M. Moret, Priolo, Le Front et Le Roi. Aujourd'hui, ce n'est pas mieux, vous soutenez Emmanuel Macron, je crois, ce qui n'est pas un secret, et peut-être pas d'ailleurs le plus mauvais des choix de soutenir ce président, face à l'extrême droite et devant la balkanisation imbécile de la gauche, tandis que votre majorité est intrinsèquement LR en pince pour les beaux yeux de Mme Pécresse. Raccourcissez. Je vais finir, c'est ma dernière page, monsieur. Mais on s'exprime relativement peu, l'opposition s'occupe. Oui, mais ce n'est pas cumulatif. Cumulatif de quoi? De séance en séance. Concluez, monsieur Jamais. La parole doit être... Alors, demain, quel sera votre candidat à la présidentielle, alors que se bouscule au portillon un certain nombre de vos amis, le maire du Havre, qui dans la joie, la droite qui ne s'assume pas, marche sur vos quatre bandes, au chapeau de Bercy, qui a été successivement fidèle à tous les régimes qui sont passés. Ça ne peut continuer. L'heure a besoin d'un conseiller départemental qui met les mains dans le cambouis plus que d'autres, d'avoir les yeux rivés sur les places et sur les postes. Si vous ne participez pas à cet exercice de moralisation publique, cela va avoir deux conséquences, deux effets qui seront la suite du clivage gauche-droite assassiné dans un calcul assez politicien. La première chose, c'est la montée des extrêmes, et singulièrement l'extrême droite, qui est déjà assez haut chez nous du fait de 2 ans de gilets jaunes et 2 ans de pandémie. Et la deuxième chose, et elle vous préoccupera comme elle nous préoccupe tous, c'est l'explosion de l'abstention, ce qu'annoncent tous les observateurs et que renforce l'ambiguïté sur les valeurs et sur les repères de l'alliance qui vous caractérise. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Y a-t-il des prises de parole parmi les membres du groupe majoritaire? Je peux lentement répondre une chose. Madame la Seigneur, je vous en prie. Je ne vais pas m'étaler en conjecture, je vais juste répondre. Je suis désolée de vous décevoir. Conflit à Évreux, il n'y a pas. Mais vous en rêvez, mais il n'y a pas au niveau de la mission. Conflit avec? Conflit à Évreux, il n'y a pas.
conflit à Évreux, il n'y a pas par rapport à vous dire, voilà. Même si vous en rêvez et que ça arrangerait tout le monde, non, il n'y a pas. Voilà. Désolée de vous décevoir. Voilà. Merci beaucoup. Bien. Merci pour vos bons voeux, messieurs les présidents Jamais et Le Vitre. Ils nous vont droit au cœur et soyez assurés que la majorité adresse en retour ses meilleurs voeux à la minorité départementale, des voeux évidemment personnels, de santé, de prospérité, prospérité pour, et santé pour les vôtres également. Et puis peut-être aussi vous souhaitez un bon 3 mois, un bon 4 mois pour les candidats que vous soutenez. J'ai cru comprendre que vous enterriez un peu vite votre candidate, c'est bien dommage parce qu'elle a des qualités humaines imminentes par ailleurs, je la connais bien. Et il m'arrive d'ailleurs, je pense, d'être plus agréable avec elle que vous ne l'êtes parfois. Néanmoins, je dois bien vous avouer qu'un match démocratique n'est jamais plié lorsqu'il ne sait pas jouer. Et comme disait l'autre, c'est le dernier bulletin de vote du dernier isoloir, en tout cas de la dernière urne, du dernier bureau de vote de la dernière commune qui donnera l'élection et le résultat à cette élection présidentielle et derrière les élections législatives. Et je considère au fond que le temps démocratique qui nous attend, vous avez rappelé la montée des extrêmes, les questions que je partageais largement sur l'abstentionnisme, au fond c'est une belle campagne présidentielle et de belles campagnes législatives dans la plus grande des clartés qui permettra de trancher les lignes politiques de tout à chacun. Vous avez eu la gentillesse de revenir sur les chroniques au fond de la majorité départementale depuis 2015. Bon, il se trouve qu'il y a quand même une réalité assez têtue, c'est que les électeurs nous ont placés en majorité depuis 2015, c'est-à-dire majorité par construction suite à une alternance par rapport à la formation politique que vous représentez, dont vous avez été longtemps le patron, et dont je dois bien vous avouer d'ailleurs que vous avez été notre principal allié en la matière, puisque président de la destinée du Parti socialiste depuis des années, nous n'avons cessé de gagner les élections depuis que vous vous en occupiez. Et donc, au fond, j'ai de la sympathie pour vous, parce que… non, mais je dois bien avouer que votre bilan est remarquable en la matière, mais que, au fond… Vous avez parlé de la majorité. On aurait fait parler également de la situation et de la santé de la minorité départementale. On attend encore, d'ailleurs, certains candidats dans certains cantons reconnaissaient quand même qu'un grand parti de gouvernement qui a présidé cette institution pendant de nombreuses années, n'étant pas en capacité de présenter dans chaque canton de l'heure deux titulaires, deux suppléants, ça dit quelque chose dès le joignement du cœur aussi des Eurois et des Eurois que cette formation politique malheureusement peut avoir. Plus grave peut-être encore sur le terrain moral, je sais qu'on s'en est déjà parlé, mais c'est quelque chose que je n'ai pas compris en son temps, et puisque vous m'avez tendu la perche, j'y réponds. Si vous ne m'avez pas tendu, je n'y répondrai pas. C'est de ne pas clairement avoir affiché le soutien à Colette Bonnard, Michel François, Jocelyne de Tomasi et Gérard Chéron, respectivement candidats face à l'extrême droite, dès le premier tour de l'élection cantonale, ou dès lors où vous n'aviez pas de candidat, nous aurions pu, dès la première minute de cette campagne, annoncer ce front républicain. Je l'avais dit à votre successeur, le jeune et talentueux, car il en a Timur Véry, lui-même candidat défait aux élections sénatoriales, si mes informations sont exactes. Et donc, il ne l'a pas fait non plus, et croyez bien que je le regrette. Donc, au fond, à la jauge de ce qu'est la majorité, de ce qu'elle devrait être, de ce qu'elle a été, ou à la jauge de ce qu'est l'opposition actuelle ou la minorité, de ce qu'elle a été, on le sait, de ce qu'elle deviendra, je n'en sais rien, je vous propose de parler, sans plus attendre, des dossiers qui concernent les Eurois et les Eurois, et peut-être d'ailleurs de ce contournement est de Rouen, sur lequel tant les gouvernements de Nicolas Sarkozy et François Hollande se sont appliqués à faire avancer ce dossier, donc il y a une continuité ces 15 dernières années. Et si on... Mais je vais revenir à ma position dans un instant, mais je pense que si on est honnête dans aussi le lien de confiance que l'on veut avoir avec les Eurois et les Eurois, ce n'est pas un dossier qui a émergé ces 15 derniers jours ou ces 3 dernières semaines. Si on est honnête, vous avez parlé du président Morin qui a brillamment gagné les élections régionales et qui s'est fait élire clairement sur la réalisation de cette infrastructure, donc le suffrage aussi universel s'est exprimé sur ces questions autour de la question régionale. Non, mais lors des élections régionales, il a été question de ce projet. Je vois aussi que certains changent d'avis parfois. Un ancien président du Conseil régional de Haute-Normandie, devenu maire de Rouen et président de la métropole, a quand même des positionnements qui sont parfois curieux sur ce sujet. Moi, je suis assez constant, et ça me permet de répondre au président Le Vitre. C'est un dossier qui m'a beaucoup préoccupé lorsque j'ai succédé à Jean-Louis Destang en 2015. Préoccupé parce que, à nier l'intérêt pour la région rouennaise, le président Plouvier est connecté, il représente avec Madame Colmar la vallée de Landelle, certaines parties du territoire aussi réclamées et portent aussi de manière forte la réalisation de cette infrastructure, et en même temps, les nuisances pour la population, les questions environnementales,
la question aussi du schéma de payage pour les Auroises et les Aurois sont des questions qui, depuis le début, m'ont énormément interpellé. Nous avions donc pris une première délibération sous forme de vœux, Monsieur le Président, à l'époque, mais vous aviez le bon goût d'être conseiller régional à l'époque. Entre-temps, votre acte de contrition vers le conseil départemental est intervenu. Acte d'amour. Mais je le sens, et ça me touche, croyez-le bien. En tout cas, Monsieur Levitre, père, pour le coup, conseiller départemental à l'époque, avait largement participé à la rédaction de ce vœu, et un vœu à l'unanimité était devenu donner au fond un peu un cadre global à la position du département. Chemin faisant, dès l'octobre, je crois, ou juin, pardonnez-moi, juin 2016, le conseil départemental était appelé à donner sa position officielle dans le cadre là de l'enquête publique, c'est-à-dire cette délibération, pour le coup, n'était pas un vœu, je ne veux pas dire qu'elle créait du droit, en tout cas, elle emportait la position officielle de la collectivité départementale. Et là aussi, sur une délibération assez longue, assez sérieuse, me semble-t-il, techniquement, d'ailleurs, à l'unanimité, nous prenions acte de la nécessité de faire cette infrastructure pour l'agglomération rouennaise. Je crois qu'à la case, d'ailleurs, les mêmes mots et les mêmes termes, je m'en étais assuré auprès du président Leroy, votre meilleur ennemi également, c'était évidemment prononcé dans ce même sens, et que derrière, nous avions mis un certain nombre de, non pas de conditions, ou en tout cas d'éléments importants qui concernaient très directement le nord du département de l'Eure, notamment évidemment votre canton et votre territoire, sur les questions de nuisances, sur les questions de péage, sur les questions environnementales, sur les questions de consommation de foncier agricole, sur le gabarit et le carénage aussi de cette voie. La collectivité s'est exprimée sur une deux fois une voie. Bref, je vous renvoie à cette délibération. Donc, si votre question est-ce que parce que je suis ministre, est-ce que j'ai changé d'avis par rapport à la délibération qui a été votée, enfin le vœu qui a été voté en 2015, puis la délibération qui a été votée en 2016, la réponse est non. Nous n'avons pas changé d'avis. Moi, je renvoie l'ensemble des interlocuteurs, et ça répond très directement à votre question, Monsieur le Président Levitre, je le renvoie très directement à cette délibération qui traduit la position constante et non changée de la majorité départementale et je crois même du conseil départemental dans son ensemble. Bien sûr, monsieur, je vous laisse la parole après. C'est un dossier important. Maintenant, il faut rentrer dans un dialogue opérationnel avec l'État. Moi, je suis assez clair, hein, dossier qui a largement été poussé par le président sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui a largement avancé sous la présidence de François Hollande. Donc, ne faisons pas mine de découvrir le dossier un bon matin. Je pense que nos positions sont connues, elles sont locales, elles ont été peu entendues dans le cadre du débat des régionales, pour être bien clair. Non, mais il faut se le dire quand même clairement, je crois, une bonne fois pour toutes. Et que désormais, eh bien, il faut en tenir compte dans la suite opérationnelle du dialogue que nous devons avoir avec l'État maître d'ouvrage dans les semaines qui viendront. Voilà. Alors, exceptionnellement, je redonne la parole au président Jamais, au président Levitre, parce que c'est un sujet d'intérêt départemental majeur. Et si vous en êtes d'accord, le temps de parole que l'on prend là, sur les autres délibérations, sans l'accélérer inutilement, mais c'est de bonne intelligence, je sais que des collègues me disent que M. Jamais a exposé son temps de parole, mais je suis bienveillant sur le temps de parole, car j'aime le débat, pourvu qu'il soit de bon niveau, et il l'est toujours. C'est pour ça que on vous a déraciné de votre conseil régional, ils doivent être en peine désormais, vous savez. C'est mes racines normandes, vous êtes le premier à le dire. Eh oui, je... Bon, ben, c'est du grand hommage. Mais non, mais avec le temps, ça prend racine. Président Jamais ou président Levitre, dans le sens qui vous plaît. Je vais commencer, si ça ne vous embête pas. D'abord, je vous remercie de saluer mon influence, puisque la chute du Parti socialiste français s'est faite depuis Val-de-Reuil, et vous avez vu que cette tendance euroise n'était pas du tout la tendance française, et vraiment c'est une analyse forte et intelligente que vous nous avez proposée à l'instant, étonnante. Vous avez tout appris, vous savez. Voilà. Il y a, vous avez dit, un problème de fond qui est dans le mode de négociation, et que moi aussi, face auquel je me suis trouvé, je pense le président Lehongre, le président Destan également. Est-ce qu'on commence à parler contrepartie, diminution, protection, passage dans la forêt, Merlon, voilà, ou est-ce qu'on refuse totalement? Et vous savez très très bien qu'à partir du moment où on commence à parler des contreparties, un certain nombre de ceux qui sont nos contradicteurs disent « Ah ben c'est que vous l'avez accepté l'autoroute, puisque vous êtes déjà, monsieur Le Cornu, à parler de décibels et de choses comme ça. » Donc j'attends un peu de radicalité quand même dans votre position. La deuxième chose qui quand même pose problème, c'est que votre double appartenance à un gouvernement et à ce conseil général fait quand même que la personne qui nous tord le bras est votre premier ministre.
Et donc, ça rend les choses plus compliquées à lire et à comprendre pour les Eurois politiquement, puisque vous êtes solidaire d'un gouvernement qui nous l'impose et en même temps solidaire d'un conseil départemental qui n'en veut pas. C'est une double casquette qui est compliquée. Et troisièmement, pour ce qui est de nous, je précise qu'il y a deux actes fondateurs dans ce que j'ai fait. L'indépendance de gens qui étaient de mon parti et dont je ne partageais pas les opinions. La première, c'est que j'ai systématiquement attaqué, et que je continue de le faire, l'ensemble des actes administratifs et juridiques qui avancent vers cette autoroute, et je continue de le faire. Ça fait 15 ans que je le fais, je continue de le faire, et certaines de ces instances ne sont pas encore arrivées à leur terme, et donc je les poursuis. Et la deuxième chose, Monsieur Lecornu, pour vous dire ma bonne foi, quand je suis arrivé il y a 20 ans à la mairie de Val-de-Reuil, il y avait un échangeur qui s'appelait l'échangeur de la Voie Blanche, qui devait théoriquement desservir la ville de Val-de-Reuil sur un périmètre en échangeur, vous voyez, la taille que ça peut avoir, de 8 km. Et la première chose que j'ai faite, c'est de demander à ce schéma autoroutier d'enlever cet échangeur qui me paraissait défigurer la forêt de bord, défigurer ma ville et rendre des conditions de vie des habitants plus difficiles. Donc je n'ai vraiment pas changé de point de vue-là. Et ma ligne, elle est vraiment totale et j'espère qu'on pourra tous être unis pour éviter que cette autoroute ne défigure une forêt et un peu la biodiversité, à la faune et à la flore. Merci en tout cas de nous avoir rendu très chic la parole. Merci, Président. Président Levitre. Oui, merci, Monsieur le Président. Tout comme Marc-Antoine Jamais, je vous remercie de me redonner la parole rapidement. Ça ne va pas vous surprendre, mais votre réponse, elle m'étonne un peu, Monsieur le Président, parce que je vous connais parfois courageux, et je me disais qu'effectivement, à l'aune des discussions que nous avions pu avoir, il aurait quand même été intéressant que vous acceptiez le fait que le président de la République a quand même renié sa parole. La parole qui avait été de dire que le gouvernement et le président de la République n'iront pas contre les élus du territoire de manière importante, puisque je rappelle que la métropole, même si Nicolas Meyer-Rossignol a eu l'occasion de changer, et je m'en félicite, cette donnée, aujourd'hui, remise en question et remise en question de la parole donnée. Je trouve ça déplorable, surtout que je considère, tout comme un certain nombre d'élus et aussi d'associations, que ce projet est un projet du 20e siècle, un projet qui va percuter encore de plein fouet notre territoire dans le tout thermique et dans le flux du tout voiture, alors que il me semble important de considérer que 1,5 milliard, parce que c'est un peu cette somme dont on parle, aurait été bien inspiré d'être fléché sur des projets du 21e siècle, notamment sur les alternatives de mobilité que nous portons. Je me réserverais bien de parler des alternatives, notamment intra-rouennaises, qui sont extrêmement pertinentes, mais sur notre territoire. Ne pensez-vous pas, Monsieur le Président, que le maillage autoroutier normand est largement bien desservi et qu'une autoroute supplémentaire, vous me le concéderez, ne résoudra en rien l'engorgement routier à Rouen? Et quand on dit ça, on s'aperçoit effectivement que les dégâts collatéraux sur notre territoire sont énormes. Je rappelle quand même que à l'est d'Alizé, nous avons une zone Natura 2000 où effectivement, pendant très longtemps, nous n'avons pas eu la possibilité de créer des projets d'investissement dessus, effectivement, puisque cette zone est réservée, grand bien nous fasse. Aujourd'hui, je m'aperçois que c'est quand même un peu à géométrie variable, tout ça, puisque aujourd'hui, la DREAL, qui a fait cette enquête de faisabilité jugée partie, explique tout l'intérêt du contournement Est et tout l'intérêt d'aller déglinguer un territoire où il y a de la faune et de la flore unique sur le territoire national. Donc, Monsieur le Président, je connais votre courage quand vous souhaitez de l'avoir. Je réitère ma question. Est-ce que je peux compter sur vous pour discuter avec Jean Castex, pour discuter avec notre président de la République, pour que, plutôt que d'avoir une réponse affirmée, définitive, telle qu'elle l'a été, on puisse retourner autour d'une table pour réfléchir à percuter notre territoire sur des projets modernes, ambitieux, du 21e siècle. Merci, Monsieur le Président. Bien, merci beaucoup. Sur ce point, bon, merci de... C'est un dossier qui crée suffisamment d'attente, d'émotion parmi la plupart de nos concitoyens pour qu'il est bien naturel qu'en discussion générale, on prenne le temps de le traiter avant d'amorcer l'ordre du jour de notre collectivité. Trois choses rapides, mais qui devra peut-être faire l'objet d'une réunion peut-être ad hoc spécifique, si besoin en est. En tout cas,
Je marque ma disponibilité, même si le président jamais a souligné mon nombre important d'heures de vol, si j'ose dire, en 2021. Oui, donc j'ai peu de temps pour m'en servir à titre personnel, pour être complètement avec vous. Mais je marque évidemment ma disponibilité, mais nous pourrons faire cette réunion peut-être assez vite. Moi, je vois trois choses. Un, je le dis très tranquillement, je ne suis pas gêné de ma double appartenance. Je le dis très clairement. Tout simplement parce que, je me permets juste, si vous en êtes d'accord, que l'orateur tombe juste le masque, c'est plus facile. Tout simplement parce que la position de l'État, elle est constante sur ce dossier. Ce n'est pas un dossier qui a été imaginé. Donc après, on peut faire de la politique entre nous, mais enfin, il n'y a pas d'élection. Moi, je suis candidat à aucune élection, ça m'arrive, je ne sais jamais. Et donc, comme je suis candidat à aucune élection, j'ai une parole un peu plus tranquille sur cette affaire. Je veux dire, j'étais jeune collaborateur d'un certain Bruno Le Maire, ministre non pas de l'agriculture, que de l'agriculture, mais aussi de l'aménagement du territoire, où j'allais en réunion interministérielle, j'étais pratiquement enfant à l'époque, dans lequel il y avait des réunions à ne plus en finir sur le contournement de Rouen. J'ai souvenir d'avoir fait des campagnes régionales avec un certain nombre d'entre vous autour de cette table, soit chez les uns avec M. Leverne ou M. Maillet-Rossignol, pour les autres avec M. Le Maire en 2010, avec M. Morin en 2015, de nouveau M. Morin au mois de décembre dernier, dans lequel contournement de Rouen. De toute façon, j'appelle juste de bonne foi le fait que ce n'est pas un dossier que l'on découvre. Moi, je pense qu'il faut être honnête. D'ailleurs, je rends au président Lehongre le fait d'être vigilant sur les dossiers liés à la LNPN en amont, parce que c'est en amont que l'on est vigilant. Et c'est vrai qu'en tant que maire de Val-de-Reuil, vous l'avez toujours été, comme d'ailleurs, qu'il me soit permis de rendre hommage au papa d'Arnaud Levitre, Gaëtan Levitre lui-même, en tant que maire d'Alizay et conseiller général de l'Eure, avait pris ces précautions-là. Ou même léger à Léry, nouvelle maire de Léry. Mais en tout cas, oui, c'est très juste. La position de l'État, là, elle est constante sur le sujet. Et je pense, M. Levitre, que l'argument qui est de dire « c'est scandaleux, l'État n'écoute pas les élus, etc. », c'est un mauvais débat, parce que le Conseil départemental de la Seine-Maritime, c'est-à-dire nos homologues, hein, compétents pour gérer le réseau routier départemental, rien que cela, sont favorables au contournement de Rouen. Que le Conseil régional, qui a été renouvelé, M. Morin est plus que légitime, il a gagné par deux fois les élections régionales, il est pour ce projet. Enfin, on ne peut pas ne pas le voir. Bon. Et puis, il y a quand même eu des revirements importants, radicaux même, de la collectivité rouennaise sur le sujet. Et moi, je ne veux pas tout politiser, mais enfin, on voit bien que s'il n'y avait pas eu cette alliance avec Europe Écologie Les Verts, sûrement que M. Maillet-Rossignol n'aurait pas changé d'avis. Donc, je pense qu'on a une position qui est territoriale, M. Jamais et M. Levitre, elle est euroise, notre position. Et encore, je laisserai la parole aux élus de la vallée de l'Andelle de l'autre côté, du côté de Remy. Ils ont des positions, comme vous le savez, avec le groupement patronal, local, etc., qui sont des positions, d'ailleurs, où on nous reproche notre prudence et le fait de ne pas soutenir clairement ce projet. Donc, même dans la position euroise, elle n'est pas complètement uniforme, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc moi, je suis très à l'aise, et le fait d'être membre du gouvernement n'entache en rien à cette position prise de longue date par la collectivité sous ma présidence à l'époque. Et d'ailleurs, je sais que je suis un militant de la solidarité gouvernementale, mais que sur des dossiers comme celui-ci, au contraire, je fais attention et je mets un point d'honneur à ne pas tout mélanger. Deuxième des choses, sur la manière de s'opposer, d'ailleurs ce sera ma deuxième et ma troisième en même temps des choses. J'ai lu la presse de ce matin, monsieur le maire Marc-Antoine Jamais est dans son bon droit lorsqu'il introduit des requêtes au tribunal administratif de Rouen ou au Conseil d'État, enfin, en clair devant l'autorité judiciaire administrative compétente pour le faire. Je pense que je le dis parce que je vois bien le glissement sémantique, y compris du maire de Rouen, président de la métropole, qui est un homme remarquablement intelligent. Donc on ne peut pas ne pas croire qu'il ne sait pas ce qu'il dit en parlant de potentiels ZAD sur le site. Je le dis parce que... Je ne partage pas. Ah, mais justement, mais je le dis parce que... Pour les statuts de Napoléon, il évite de susciter les ZAD. Et je suis dans un... C'est pour ça que j'essaie de fixer le cadre. Quand Napoléon fait une ZAD, c'est le pire encore. Et normalement, ça ne va pas se passer. Encore qu'il y a la ZAD d'Austerlitz, c'est la ZAD de Waterloo. Oui. En tout cas, la réalité, c'est que je pense qu'il faut le dire, parce que ça conditionne aussi la position de la collectivité sur la manière de travailler sur ce dossier. C'est le droit, rien que le droit, c'est l'état de droit. Je le dis, je sais que c'est partagé, enfin, sauf à ce qu'on me dise le contraire, enfin, je pense qu'il faut le dire très clairement, parce que sinon, enfin, le moindre air de jeu que vous voudrez faire dans vos communes, vous aurez vous aussi votre mini-ZAD. Donc, on croit à la démocratie représentative, on croit à l'état de droit, on croit aux procédures, on croit aux élections, c'est la vie. Mais je le dis parce que c'est mieux en le disant. Troisième chose,
Monsieur le Président Levitre a parlé de courage. Moi, je pense que le courage, c'est quand même de dire la vérité aux gens. Est-ce que le conseil départemental de l'Eure, les mairies d'Alizé, de Val-de-Reuil ou Lercas, que sais-je, est-ce qu'elles peuvent empêcher seules ce projet? Parce que c'est d'ailleurs souhaitable qu'elles cherchent à l'empêcher en tant que tel. Enfin, je comprends la posture que vous avez indiquée. Les gens veulent, de manière radicale, qu'on s'oppose clairement. Moi, je l'ai dit, donc là aussi, je n'ai pas changé depuis 2015 et depuis 2016, le vœu voté à l'unanimité, il prend acte de la nécessité de faire cette infrastructure pour l'agglomération rouennaise, considérant que l'intérêt général pouvait parfois aussi se déporter de l'autre côté et que ce n'était pas notre intérêt général à nous. Je sais que le propos est curieux, mais c'est le principe de ces territoires qui se jouxtent, sur lesquels les intérêts des uns ne font pas les intérêts des autres. Donc nous, on a fait déjà une première chose, c'est qu'on a décidé de ne pas y participer financièrement. Que n'a-t-on entendu, hein ? Parce que si je fais un peu de politique, pour le coup, ce n'était pas franchement la position de mon prédécesseur. Et que les actes préparatoires, les discussions politiques préparatoires, dans le cadre de financement plus que croisé, c'était le 276, faisaient que, y compris sur le contournement de Rouen, le conseil général de l'Eure à l'époque aurait pu être appelé à un financement direct, des subventions d'équilibre d'une collectivité territoriale, à un projet dont la maîtrise d'ouvrage était tenue par l'État. Moi, je l'ai refusé. Et donc ça, je le redis, parce que c'est important, avec là aussi une position de responsabilité qui était de dire que, en revanche, les infrastructures nécessaires sur le réseau départemental dont nous avons la responsabilité connectées au réseau tout routier, évidemment, nous prendrons nos responsabilités. Mes chers collègues, rien que cela, c'était une estimation autour de 20 millions d'euros, ce qui est absolument considérable, puisque c'est pratiquement un peu plus d'une année d'exercice budgétaire en matière routière, en investissement, même beaucoup plus qu'un peu plus. Donc, c'était la première chose que nous avons faite. La deuxième chose, et je ne vous mentirai pas, parce que je pense que c'est ça aussi la vérité, le courage, nous avons toujours tenu comme ligne de ne pas commettre d'actes juridiques, c'est-à-dire en clair, de contentieux, d'introduire des contentieux devant les tribunaux. En tout cas, le conseil départemental s'est engagé à ne pas empêcher par des voies de droit ce projet. Non, mais on peut, là, vous aurez bien le droit, c'est bien votre rôle, monsieur le maire, monsieur le président, de critiquer ce choix, mais il est clair que déjà à l'époque, alors qu'un certain Manuel Valls était Premier ministre, que d'autres personnalités occupaient des fonctions importantes au ministère. Non, mais justement, mais ça prouve aussi notre cohérence, que vous vouliez ou non. À l'époque, alors j'étais clairement dans l'opposition, je crois, au gouvernement, c'est le moins qu'on puisse dire, et son président de la République, nous avons acté une position qui n'était pas une position farouche contre cette infrastructure, contre le gouvernement qui le promouvait aussi à l'époque, contre d'ailleurs le maire de Rouen, qui n'était pas de ma sensibilité politique. Nous avions fait ce choix, un choix d'équilibre, et je crois d'ailleurs savoir qu'à la CAS, vous aviez eu des débats, mais pour m'être entretenu avec M. Leroy et M. Prigot, une forme d'équilibre assez similaire avait été trouvée. Maintenant, après, mais ça vous regarde, vous, mais je suis prêt à en discuter, c'est la proposition que je fais dans une réunion ad hoc. C'est avec, il faut y mettre évidemment les autorités importantes de la CAS, aussi autour de la table. Je comprends la stratégie. Moi, je vois bien l'intérêt de dire on s'y oppose et puis on explique aux gens, on fera tout pour que ça ne se fasse pas, puis jusqu'au jour où ça se fait, puis on n'a rien négocié de correct. Mon expérience de ministre, par ailleurs, j'en ai vu des élus qui se sont fait élire pendant 20 ans sur des trucs en 10 ans ou 15 ans ou 10 ans, des élections de type référendum dans lesquelles on dit « avec moi, nos passaranes, ça ne se fera pas ». Et puis, pendant ce temps-là, toutes les tourniquets, les occasions de discussion pour des aménagements, des transactions, des compensations, etc., ben, ne se sont pas faites. Et puis derrière, ben, le projet finit par se faire quand même. Toutes les réunions. Je ne parle pas de vous, hein. Je parle vraiment d'expériences que je peux… Allez, la route du littoral à La Réunion, enfin, je pense vraiment à d'autres exemples bien, bien concrets en tête. Et donc, voilà, je trouve que là-dessus, je peux comprendre qu'il y a un débat de doctrine entre nous sur le sujet. En tout cas, je renvoie vraiment aux délibérations, me semble-t-il, bien écrites, bien construites. D'ailleurs, elles avaient été votées à l'unanimité, mes chers collègues, hein, de tous les bancs. Hein. Donc, le vœu à l'unanimité, à la demande de la minorité, à l'époque. Hein, moi, je trouvais ça normal, parce que c'était déjà les cantons de Val-de-Reuil, votre prédécesseur, M. Coquelet, avait travaillé sur ces sujets. Pareil pour le canton de Pont-de-l'Arche. Et puis, évidemment, la position financière, je l'ai redite. Et derrière, la délibération qui, elle, en revanche, avait produit une position officielle, puisqu'il s'agissait d'une enquête publique, et que donc la position du département de l'Eure en tant qu'institution n'est pas à découvrir parce qu'elle est déjà connue. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir donné la possibilité de vous montrer que nous n'avions pas changé d'avis, et que, en tout cas, sur le schéma des compensations et des réflexions, le projet en l'état
n'est pas un projet qui a de bonnes répercussions pour une bonne partie des habitants de l'Eure. Voilà, je pense qu'il faut, mais je le dis très tranquillement, un ministre de la République est capable aussi de le reconnaître. Pas parce que le projet poursuit son chemin de tous les gouvernements successifs depuis maintenant très longtemps, qu'il faut s'en émouvoir de le découvrir ce matin. Je ne vois pas d'autres prises de parole parmi les membres du groupe majoritaire. Le groupe majoritaire aura donné son temps de parole au groupe de la minorité, car c'est comme ça que ça se passe au conseil départemental de l'Eure. J'ajoute même que c'est l'engagement que vous aviez pris. Parce que pour votre voisin de gauche qui semblait s'impatienter, vous aviez pris cet engagement avec beaucoup de générosité, et donc c'est bien que vous le teniez. Mais il est encore courroucé et fort mari de votre abstention sur la délibération sur les moyens des groupes. Donner plus de boyaux au Parti communiste. Président Arnaud Leur, merci. Président Duché est un homme sensible. On le sait. Le vent porte. Et donc, il a du mal à s'en remettre depuis six mois, monsieur présent jamais, donc ménagez-le. Bien, je vous propose de passer au début de notre ordre du jour avec le premier point, à savoir l'adoption du procès-verbal de la précédente plénière. Mesdames, messieurs les conseillers départementaux, avez-vous des remarques sur ce procès-verbal? Je n'en vois pas, je le mets donc aux voix. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Il est adopté. Premier rapport, c'est Madame Thérèse qui va... Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, très bien. À savoir les politiques départementales du soutien au grand âge et à l'autonomie. On va avoir une première séance de discussion autour de politique de logement aussi dans la foulée. Mais on va commencer par ce rapport important qui fait assez clairement référence aux échanges que nous avons eus avec le ministre de la Santé et Solidarité dans l'hémicycle et aux différentes déclinaisons du Ségur de la Santé dans son volet médico-social. Madame la Présidente, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Et mettons les mains dans le cambouis, puisque Monsieur le Président Jamais avait l'air de regretter que nous ne fassions pas assez. Donc, allons-y, on ne cesse de le faire. Et on est heureux de vous présenter cette délibération qui n'est pas une totale découverte, effectivement, pour les conseillers départementaux, puisque dans sa venue au mois de décembre, dans la venue de Monsieur Véran, au mois de décembre, nous avions déjà pu proposer quelques annonces. Il s'agit aujourd'hui d'acter formellement dans cette enceinte du Conseil départemental les engagements qui ont été pris et peut-être aussi de les repositionner dans un contexte plus large qui est la politique publique du département en matière d'accompagnement des personnes âgées et des personnes dépendantes d'une manière plus large. Donc je vous propose aujourd'hui d'examiner effectivement le plan départemental d'investissement pour les EHPAD 2021-2027. Qui est un plan pluriannuel qui vient en fait compléter les dotations, les investissements que l'État fait dans le cadre du Ségur de la santé. Notre engagement est, je crois, exemplaire et unique en France avec 1 euro apporté par le département, par l'État, mais 1 euro. Donc plusieurs établissements ont été retenus. Il faut savoir que ça ne s'est évidemment pas fait au hasard, que nous avions déjà, lors de la mandature précédente, fait un diagnostic approfondi un diagnostic notamment bâtimentaire de l'ensemble des EHPAD publics et privés du territoire, mais également un diagnostic populationnel, quelle était l'évolution des populations et sur quel territoire on voit et comment, ce qui nous permettait du coup de construire cette politique du parcours résidentiel, si je peux m'exprimer ainsi, de la personne âgée et de l'accompagnement, qu'elle veuille rester à son domicile ou vivre dans un habitat regroupé ou parfois on n'a pas le choix, devoir être en institution pour la protection, sa protection et la protection des siens. Donc les établissements qui ont été retenus dans le cadre du Ségur de la santé en appui à ces diagnostics sont les EHPAD de Pont-Audemer, de Bernay, de Pont-Autou, de Vernon et de Gisors. Voici les montants de travaux qui sont affichés sur la slide partagée. Nous avons aussi décidé, au regard justement des diagnostics qui ont été faits, d'accompagner en dehors du Ségur, mais le département souhaite être volontariste sur le sujet, l'EHPAD d'Ivry-la-Bataille,
Et puis, il y avait un plan pluriannuel d'investissement sous la précédente mandature qui permettait d'accompagner Passy-sur-Eure, Verneuil et les Andelys. Et donc, nous allons continuer d'accompagner ces EHPAD pour pouvoir finaliser certains travaux. Il faut qu'on regarde dans quelles conditions, selon quels critères. Mais ça sera aussi l'objet des assises des solidarités qui vont nous permettre d'avancer sur le sujet avec l'ensemble des acteurs et des parties prenantes du département. On aura également une attention particulière aux résidences autonomie, je le dis avec une certaine solennité, mais pareil, ça sera étudié dans le cadre des assises des solidarités. Plusieurs CCAS portent ces résidences autonomie, interpellées sur la nécessité d'adapter. En fait, les bâtiments, c'est souvent des structures qui sont assez anciennes, peu adaptées aux personnes. Et à leurs besoins et même aux nouvelles normes d'accessibilité. Et donc, nous regarderons ça de près et nous vous inviterons à nous faire des remarques dans le cadre de ces assises, à y participer, bien sûr. Qui dit bâtimentaire dit aussi accompagnement humain, le soft, comme dirait ma collègue Diane Le Seigneur. Et donc, c'est un point très important puisque nous avons décidé et on s'est inscrit dans cette dynamique proposée, suggérée par le gouvernement, de revaloriser les salaires des aides à domicile. Plusieurs raisons à cela. La première, c'est que d'abord, elles le méritent. Je dis « elles » parce que ce sont essentiellement des métiers féminins, très, très majoritairement. Et donc, elles ont été en première ligne. Elles le sont encore en ce moment. C'est extrêmement tendu dans le cadre de cette crise sanitaire. Mais en fait, elles l'ont toujours été dans l'accompagnement des personnes âgées. Les salaires, c'est vrai que ce sont des professions contraintes, les salaires n'avaient pas été revalorisés, le gouvernement en a pris l'engagement et bien sûr nous soutenons cette démarche, ça représente environ 15% d'augmentation pour environ 800 personnes, 800 aides à domicile sur notre territoire aurois. Donc la première chose c'était cette revalorisation des salaires parce qu'elle le mérite, parce qu'il y avait ce besoin de soutenir. Et puis, le troisième point, et non des moindres, c'est de pouvoir renforcer l'attractivité de ces métiers, puisqu'évidemment, les bas salaires n'aident pas. Il ne suffit pas d'avoir le feu sacré et la formation, bien sûr. Il faut aussi avoir une juste rémunération et rendre plus attractifs ces métiers qui sont indispensables aujourd'hui dans un département qui, comme tous les autres départements de France, mais sur certaines parties de notre département, de manière plus accrue, doit faire face à cette transition démographique qui est le vieillissement de la population. Donc, l'attractivité est importante, ça représente tout de même 1,7 million par an d'investissement du département. C'est en partie compensé, bien sûr, par l'État, mais le reste à charge pour les départements est d'environ 1,7 million d'euros, sachant que ça vous donnera peut-être une idée des besoins sur le territoire. Il nous manque environ 300 équivalents temps plein sur le territoire de l'Eure pour faire face aux besoins de la population et des personnes âgées en particulier. Voilà, 300 équivalents temps plein, je le dis, parce que c'est important et on voit bien à quel point ces métiers sont tendus. Un autre élément très important, c'est le tarif socle de 22 euros pour l'association tarif horaire, bien sûr, de 22 euros pour l'allocation personnalisée autonomie, donc l'aide que nous pouvons apporter pour les personnes âgées et pour la prestation de compensation handicap, le volet handicap, 22 euros qui permettra également aux associations qui apportent cette aide de revoir leur fonctionnement et potentiellement aussi d'augmenter ses salaires. Ça représente pour le coup une augmentation de 2,3 millions d'euros pour le département, intégralement à la charge. Voilà, c'est dire si on est volontariste sur le sujet. Et puis, dernier point, dans cette délibération, c'est la création d'une aide à la vie partagée pour favoriser les regroupements habitat senior. Globalement, et Diane Le Seigneur en parlera plus longuement dans la présentation qu'elle fera tout à l'heure de la politique habitat. Il s'agit de politique habitat inclusif, là, du volet inclusif de cette politique habitat, avec le grand mouvement qui est à l'œuvre aujourd'hui en France, mais à peu près partout ailleurs dans le monde, qui est la désinstitutionnalisation. L'objectif, c'est l'inclusion. Il s'agit en fait de cesser
de regrouper au même endroit dans des institutions fermées des personnes âgées ou des personnes handicapées et au contraire d'avoir une vie sociale très intégrée. Et donc ces projets d'habitat regroupé sont importants puisqu'ils permettent de loger dans un habitat qui est un habitat de droit commun, donc pas une institution, pas une résidence, mais bien un habitat de droit commun. Mais de manière regroupée pour que les aides à domicile et la coordination de toute la vie sociale puissent se faire. Et l'aide à la vie partagée que nous souhaitons mettre en place, dont nous avions déjà parlé en commission permanente, mais c'est utile de le présenter aujourd'hui en cette session plénière, pourra financer du coup la coordination justement de la vie sociale et de l'aide à domicile de toutes ces personnes qui seront en habitat regroupé. Ça représente 5000 euros par personne et par an, ce qui devrait faire émerger des projets. Il y en a déjà des projets d'habitat inclusif. Il y a plus de 106 places dans le département, 106 personnes qui vivent dans un habitat inclusif aujourd'hui grâce à l'élaboration de cette politique publique qui s'est amorcée déjà sous la houlette de Diane Messeigneur sous la mandature précédente. Donc, on va renforcer ce mouvement puisque toutes les études montrent que les besoins sont extrêmement importants et qu'il faut qu'on s'apprête à faire face à cette situation et à cette transition démographique. Voilà, donc des éléments que vous connaissiez pour partie, pas totalement, importants parce que nous devons bien sûr autoriser le président à signer la convention avec l'ARS pour le Ségur investissement et donc l'appui aux EHPAD qui ont été cités. L'engagement formel que nous prenons en dehors de cette convention de continuer de soutenir les EHPAD qui étaient dans le plan pluriannuel d'investissement sous la mandature précédente et la reconstruction également, enfin, l'aide à la reconstruction d'un bâtiment à Pontautou, le soutien que nous apporterons aussi aux résidences autonomie, l'aide à la vie partagée et la valorisation des salaires, la revalorisation des salaires, sachant, encore une fois, je le redis, que les assises des solidarités nous permettra aussi des discussions intéressantes, des propositions et donc la définition ensemble, toutes les parties prenantes, d'une feuille de route sur ces solidarités pour la mandature qui a démarré voilà, en concertation. Pour autant, il ne faut pas qu'on retarde certaines décisions. Celle-ci était urgente et nous permettait aussi de bénéficier de cofinancement et d'avoir des effets leviers sur ces politiques publiques. Voilà, je crois que j'ai présenté à peu près l'essentiel. S'il y a des questions, je suis prête à y répondre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Y a-t-il des prises de parole sur ce dossier? Je vois Monsieur Levitre. Monsieur Jamais. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Vice-Présidente Sterlez, merci de votre présentation. Je voudrais intervenir sur deux sujets. Le sujet, donc évidemment, c'est sur la fin de vie, sur le territoire de l'agglomération Seine-Eure et notamment sur la rive nord de la Seine, effectivement, et notamment sur Alizé, hein, donc je connais bien cette dimension. Nous avons le projet, et là j'aimerais bien pouvoir être accompagné, notamment, ce serait peut-être intéressant que vous puissiez savoir, Madame Terlès, là-dessus, sur la création de maisons de vie, parce que sur la collectivité d'Alizé, nous allons créer des maisons pour personnes âgées indépendantes. Et l'idée, en gros, c'est, puisqu'on a la prétention de travailler pour le quatrième âge, aller aussi sur le projet de la fin de vie, dans la dignité, dans son cadre de vie, autour de sa famille. Et à ce titre-là, moi, j'ai du foncier. Je pourrais très bien le mettre à disposition pour qu'on puisse réfléchir sur la rive nord de la Seine, Pitres, Levanoir, Alizé et Égoville, à créer des maisons de vie pour personnes âgées indépendantes, certainement avec un ratio public-privé en lien avec les pattes de Pont de l'Arche. J'ai eu l'occasion de rencontrer M. Poilera, qui est le directeur des Feugrets et de l'hôpital de Louviers, à ce titre-là, pour essayer de dégager des pistes, notamment en termes de subventions. Et il me semblera intéressant, Mme Terlès, qu'on puisse éventuellement se connecter pour qu'on puisse discuter de ce projet, évidemment, avec votre casquette aussi, vice-présidente du département de l'Eure, évidemment. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je veux revenir sur les aides à domicile. J'entends ce que vous dites et j'en suis ravi. Cela étant, ce serait intéressant de mettre toute cette dimension à profit sur le territoire de l'agglomération Seine-Eure, puisque je rappelle quand même qu'effectivement, sur les 90 aides à domicile pilotées par le Centre intercommunal d'action sociale, une trentaine viennent nous voir sur la collectivité d'Alizé tous les mercredis pour crier leur désespoir, quelque part. Simplement vous dire une chose qu'elles demandent, c'est effectivement de la dignité, une amplitude de travail qui soit effectivement réduite, puisque l'amplitude de travail aujourd'hui
et de 10 voire 12 heures avec un salaire qui oscille entre 750 et 800 euros. Et l'avancée, en tous les cas, sur le territoire de l'agglomération qui a été dite, c'est-à-dire on va titulariser un certain nombre d'aides à domicile, très bien, mais le ratio pour les titulariser, c'est la prise en compte de leur salaire sur les 6 derniers mois. Autant dire qu'on va titulariser des aides à domicile à 800 balles par mois. Alors, ce qu'elle demande, et je ne dis pas que c'est ce qu'il faut qu'on tente absolument à faire, mais moi j'aurais aimé de la part du président Leroy, mais je ne suis pas surpris, le président Leroy, il travaille avec ses amis, et puis dès lors on n'est pas d'accord avec lui, voilà, il fait fin de mon recevoir. Ce qui aurait été intéressant de réfléchir, c'est pouvoir créer un comité de pilotage transpartisan. Élus de droite, élus de gauche, organisations syndicales, représentants d'aide à domicile, pour réfléchir à une titularisation des aides à domicile à 30 heures, avec 3 tournées par jour, matin, midi et soir, ce qui nous aurait permis justement de pouvoir réfléchir à cette titularisation à 1 300 euros net par mois pour toutes les aides à domicile. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Madame Terlez, moi, je vous demande peut-être de vous faire le relais auprès de Bernard Leroy, qui m'avait promis d'ailleurs de répondre à mes courriers, mais fidèle à son habitude, Alizé ne doit pas compter dans le territoire de l'agglomération Seine-Eure, on saura s'en rappeler. Mais en tous les cas, j'aimerais, en tant que conseiller départemental et évidemment membre du conseil d'agglomération, pouvoir au moins avoir la possibilité de discuter avec le président Leroy, qui nous explique que le changement de paradigme éventuel des aides à domicile passe par le CIAS. Je peux entendre que le CIAS, qui a des agents cadres extrêmement respectueux et qui travaillent, adapte les choses, mais si on veut changer de cadre politique, c'est bien au conseil d'agglomération qu'il faut qu'on réfléchisse à cette chose-là et qu'on puisse travailler à l'émergence d'un vote dès lors où on a vraiment réfléchi ensemble, encore une fois à travers un comité de pilotage transpartisan, à la possibilité éventuelle de pouvoir titulariser ces aides à domicile à hauteur de 30 heures par semaine. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Y a-t-il d'autres prises de parole, Monsieur Jamais ? Oui, deux remarques positives et trois interrogations. Les deux remarques politiques positives, c'est qu'une revalorisation de 13 à 15%, les aides prises à 50% à charge par l'État, c'est quand même une bonne nouvelle pour tous ces agents, qui sont souvent des femmes et qui ont des salaires, comme l'a dit Arnaud Levitre, très bas. La deuxième bonne nouvelle, c'est de considérer que l'inclusion, qui est quand même l'autonomie, était quelque chose qui était devant nous il y a 5 ans ou il y a 6 ans, depuis très longtemps, mais pris comme une politique publique, dizaine d'années à peu près, voilà, et devant nous, on a l'inclusion, qui est exactement le même sujet, même si les continents ne sont pas tout à fait les mêmes, on a des personnes très âgées d'un côté, on a souvent des personnes très jeunes de l'autre, et donc ce sont deux bonnes nouvelles. Trois interrogations, je l'ai dit. La première, c'est la difficulté qu'il y a à être à la fois ministre et président du Conseil général. On avait évoqué, bien que vous ne soyez pas candidat à la présidentielle, je vais noter mon étonne, mais peut-être qu'il y avait déjà quelqu'un qui était candidat, même s'il ne s'est pas prononcé, et vous le soutenez beaucoup, ce qui fait que vous êtes un peu candidat quand même. Pas de loi autonomie qui avait été promise, qui avait été dite, qui avait été mentionnée, et qui n'arrive pas. Donc, pas de loi autonomie, donc pas de cadre général, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons nous-mêmes à balayer devant nos portes, en sachant que c'est difficile. Mon logement 27, par exemple, est, dans l'ombre, vous le savez, propriétaire d'un certain nombre de autonomies, et ce qu'a dit Anne Terlez est parfaitement vrai, nécessité, modernisation, d'autres standards, de normes qui ont changé, et qui ont tant mieux changé, parce que c'est quand même un accueil du grand âge et de la vieillesse dans de meilleures conditions. D'ailleurs, plus on va vers le grand âge, plus on s'inquiète peut-être, de plus beaucoup. Et puis la troisième chose, moi je rejoins Arnaud, c'est compliqué d'avoir une position très ouverte au département, une position très fermée à l'agglomération. On n'est pas ici pour parler de l'agglomération, mais c'est difficile de porter à la fois une parole d'ouverture et une fois encore positive sur deux raisons, l'inclusion et cette revalorisation, et une parole qui ne l'est pas et qui même est fermée, assez bien, lorsqu'il s'agit sur un territoire plus petit, d'aborder les mêmes sujets. Simplement, trois points qui n'attendent pas obligatoirement de réponse. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres prises de parole ? Je ne vois pas de main qui se lève. Madame Thérèse, je vous laisse répondre aux deux orateurs. Messieurs les présidents, alors à Monsieur Levitre, je souhaiterais répondre qu'évidemment, je me tiens à sa disposition pour venir sur son territoire et sur les cantons limitrophes d'ailleurs, parce que je sais qu'il y a des sujets sur ces autres cantons et examiner l'ensemble des propositions. Mais je vous invite également à le faire dans le cadre des assises des solidarités, voilà, desquelles pourront être lancées, puisqu'évidemment le contexte sanitaire complique un peu les choses et la mise en place de nos rencontres. Néanmoins, je pense que
vous aurez une parole forte sur le sujet et il faudra être constructif. Et donc, c'est aussi dans le cadre de ces assises qu'elle devra s'exprimer. Ce que vous évoquez là sur les possibilités de mettre en place des unités de vie, c'est exactement justement le sujet de l'aide à la vie partagée. Voilà, il y a des possibilités sur ces petites unités. C'est ce que nous proposons de voter ce matin. C'est la possibilité de financer les coordinateurs qui s'occuperont des aides à domicile et des activités, de l'animation, de la vie sociale de ces personnes. Donc, je pense qu'on va pouvoir trouver des solutions assez facilement. Et puis là, je ferai une réponse globale aux deux présidents. La revalorisation salariale concerne les SAD associatifs privés, je le redis, et non pas les SAD publics. Le choix qui a été fait par le gouvernement et par le département en l'espèce, c'est bien sûr de soutenir ce secteur-là qui avait un énorme rattrapage à faire. Les différences étaient extrêmement importantes entre les agents des SAD associatifs privés, la rémunération des agents des SAD associatifs privés et la rémunération des agents publics. Donc, je pense qu'on leur devait bien ça. Je trouve assez peu opportun de mettre un sujet hyper local qui concerne une autre collectivité, en tout cas groupement de collectivités, à débat dans cette enceinte. C'est assez déplacé. Pour autant, je pense qu'il faut redire qu'il y a des instances pour discuter de ça et que ces instances restent le conseil d'administration du CIS. On a des institutions dans ce pays, au niveau national comme au niveau local, il faut les respecter. Je ne vous apprends rien en vous disant que ce conseil d'administration est paritaire et que le conseil communautaire, comme partout ailleurs, a voté pour une liste paritaire représentant la majorité et la minorité de notre PCI. Donc il n'y a pas de fermeture du tout, ni du président Bernard Leroy, ni de moi-même sur le sujet. Et je vous inviterai volontiers à faire un benchmarking avec les autres SAD publics qui régulièrement viennent nous voir au contraire pour savoir comment nous faisons. La volonté aujourd'hui est clairement d'accompagner et d'aider, et c'est ce que nous faisons. Et je trouve beaucoup de mauvaise foi dans le procès que vous faites. Non, je maintiens. Vous aurez votre opinion. Non, mais je tiens mon opinion et votre opinion. Et du reste, monsieur Jamais. Je préfère figurer dans vos ennemis, parmi vos ennemis, que parmi vos amis. J'ai noté tout à l'heure dans votre propos introductif que vous appliquiez à saborder systématiquement tous vos amis. Donc, moi, je préfère avoir des oppositions avec vous sur ce sujet et faire partie de vos meilleurs ennemis plutôt que de vos amis. Vous sabordez très bien toute seule, vous savez. Cette réponse, à mon avis, les gens l'écouteront. Merci beaucoup. Monsieur Levitre a demandé la parole. Monsieur Levitre. Alors, ouais, je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai des petits problèmes avec ma tablette. Moi, je suis toujours un peu catastrophé à Interlèze. Voilà. Vous prenez votre responsabilité. Ce que vous voulez dire, je trouve ça tout à fait scandaleux. Vous gargarisez de mots et vous faites plaisir en disant que vous êtes content d'être plutôt nos ennemis que nos amis. Ça vous regarde. Marc-Antoine Jamais l'a dit, mais ce n'est vraiment pas à la hauteur d'une vice-présidente. On voit bien que vous êtes dans la gestion et puis vous faites vos petits trucs. Pour simplement revenir sur le CIAS, essayez pas de noyer le poisson. Je ne suis pas là pour parler de l'agglomération Seine-Nord, mais l'agglomération Seine-Nord, si on entend, le roi nous dit à corps et à cri que c'est l'agglomération la plus novatrice du département. Ça fait quand même partie du département. Pardon, vous en souffrez, mais je suis conseiller départemental du canton de Pont-de-l'Arche. Donc, je m'exprime et je parle de ce que je veux, ne vous en déplaise. Cela étant, si on veut encore une fois changer de paradigme et tendre vers une titularisation des aides à domicile à hauteur de 30 heures par semaine, vous n'allez pas me dire que ce n'est pas le conseil d'agglomération qui doit évidemment statuer là-dessus, puisque de fait, le président Leroy est président. Donc, arrêtez d'endormir tout le monde. Et encore une fois, vous savez, nous aussi, si vous voulez, on peut sortir les petites flèches et des petites phrases. Moi, je ne l'ai jamais fait avec vous. Je vous considérais encore comme quelqu'un de constructif. Je commence à douter aujourd'hui, cela étant, je vous demande d'avoir un peu de mesure quand vous nous parlez, parce que je n'ai pas eu l'impression qu'on a été très agressif avec vous, mais on peut le faire aussi, moi je n'ai pas de problème avec ça, vous savez, je suis armé, pas de souci. Mais vous avez encore noyé le poisson, vous le faites, vous êtes à l'école de Leroy, c'est normal, vous le faites, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais franchement, votre réponse n'est pas à la hauteur, ni sur la forme et effectivement ni sur le fond. Merci, monsieur Levitre. Y a-t-il d'autres prises de parole ?
Je n'en vois pas. Je vous propose donc de mettre aux voix le rapport sur lequel on aura l'occasion, en tout cas je vous propose de revenir sous forme de rapport faisant des points d'exécution de manière assez concrète sur l'avancée de ces politiques publiques. J'en retiens, et en toute objectivité, j'en retiens aussi la nécessité d'avoir aussi une grille d'analyse de plus en plus aussi infradépartementale, parce qu'on voit bien que les différents résultats sur ces politiques publiques peuvent varier d'un territoire à l'autre. Je ne rentre pas dans des questions intercommunales qui le dépassent, mais en tout cas, il est clair qu'en fonction du mode de gestion, associatif ou non, en fonction de l'ancienneté de l'opérateur, en fonction aussi simplement d'un trou d'air d'un opérateur ou en fonction de difficultés RH, que sais-je, les choses peuvent être extrêmement variées. Je rajoute que sur les EHPAD, nous aurons l'occasion d'en reparler dans le cadre des assises des protections sociales. Enfin, les assises ne sont pas un instrument pour noyer le poisson, on s'en fout. Au fond, il y a ce que la loi de la République demande à un conseil départemental, ça s'appelle ses compétences, ses obligations légales, très bien. Il y a ce qui s'impose à nous. Alors, parfois, on le vote, c'est vrai que c'est toujours un peu curieux parce qu'il y a quelques votes, au fond, je ne veux pas dire qu'ils sont obligatoires, mais le champ d'application de ces politiques publiques, le législateur les a écrites de manière tellement rigide et au nom d'un grand principe qui est l'égalité, on peut très bien le comprendre. Donc, on exécute, parfait, y compris lorsqu'on présente un budget. Enfin, la réalité, c'est qu'il y a aussi beaucoup de politiques publiques. La manière de les appliquer, la manière de les piloter, la manière de les mettre en œuvre change la donne. Or, on a un cadre financier qui est existant et les assises vont nous permettre de faire des choix, autant sur protection maternelle infantile, aide sociale à l'enfance, logement social, lutte contre la pauvreté, insertion, évidemment la question du handicap et la question du grand âge. Donc, avec ça, déjà, on y voit assez clair. Est-ce que le conseil départemental pourra faire tout seul ? Non, parce que les CCAS, par exemple, peuvent être amenés à être appelés, les associations également. Parce qu'elles font un boulot assez remarquable, il faut bien reconnaître. Et d'ailleurs, le conseil départemental les accompagne de manière tout aussi remarquable, chez le fond de ma pensée. Donc, là où parfois certaines communes ont décidé de se désengager, il faut quand même dire aussi un peu les choses. Hein. Donc, c'est pour ça que moi, je suis intéressé par la logique aussi infra-départementale. Je veux dire une chose, sur le grand âge, sur l'accompagnement des personnes âgées, par exemple, toutes les intercommunalités ou toutes les communes ne mènent pas les mêmes politiques. Bon, et inversement, sur l'insertion, la lutte contre la pauvreté, toutes ne le font pas non plus. Certaines ont fait des choix politiques, pour le moins curieux, qui consistent à mettre, par exemple, tout sur les personnes âgées et rien sur les jeunes, et rien sur les pauvres, considérant peut-être que leur choix politique les amènerait à penser qu'au fond, qu'il valait mieux uniquement s'occuper des personnes âgées. Bon, c'est quand même des choix tout à fait curieux. Donc ça, il faudra quand même aussi qu'on le documente dans le cadre des assises, parce qu'à chaque fois, lorsque nous travaillons ici, et dans les rapports de Madame le Seigneur dans un instant, ce qui est intéressant, le rapport est long, mais on va avoir beaucoup de chiffres infra-départementaux qui vont permettre de regarder des dynamiques qui sont très différentes, mais bien souvent, évidemment, nous, on les épouse en moyenne, alors que je pense désormais, il faut aussi les épouser de manière plus particulière. Voilà. Donc, en tout cas, moi, sur ce délibération, elle offre un cadre. Jamais je leur donne la parole tout de suite. Ma bienveillance que ma majorité va finir par me reprocher, vous savez, je le sens. Je sens poindre une mutinerie de ce point. Mais c'est tenu quand même. Oui, mais c'est la veillance est un élastique. Donc, non, blague à part, je pense que la délibération présentée par Mme Thérèse, une bonne délibération, elle offre un cadre qui est intéressant. Paris ne s'est pas fait en un jour. Les revalorisations des SAD ne se feront pas non plus en un jour. Le coup de pouce gouvernemental concerne les SAD associatifs. Il faut être très clair, on a bien vu que ce qui n'est pas associatif est donc en clair souvent porté par des collectivités, il va falloir le traiter. Mais je ne suis fermé à rien pour la part départementale, mais une fois de plus, finance égale choix. Et si on devait se lancer, peut-être aussi en lien d'ailleurs avec Pôle emploi, avec les organismes de formation, avec le président du conseil régional, on pourrait très bien aussi imaginer, en point de sortie de ces assises, que l'Eure soit aussi un département d'excellence en matière de formation de ses accompagnants, considérant que ce n'est pas qu'une revalorisation technique et financière, c'est un métier d'avenir. On parle beaucoup de silver economy, toutes ces choses. Bon, mais une fois de plus, je ne veux pas complètement préempter le débat des assises. Je veux qu'il puisse se tenir avec l'ensemble des parties prenantes et au-delà des revalorisations digérables et digérées, avoir une stratégie sur le maintien à domicile, ce qui nous fera une bonne connexion avec les rapports de Madame le Seigneur sur la stratégie en matière de logement, me semble être une bonne chose. Monsieur le Président, jamais d'un mot, je vous en prie. Non, pour être concret, je suis d'accord pour qu'il y ait un vœu de ce conseil départemental qui fasse que, j'en ai déjà parlé au Pôle de Londres, qui s'était montré très ouvert, que quand il est propriétaire lui-même
ça serait, on aurait deux casquettes. On aurait une casquette, peut-être que Thérèse l'apporte, une casquette générale, la définition d'un cadre, et par ailleurs une casquette concrète de terrain qui obéit au conseil départemental, c'est-à-dire que mon amendement 27 considère comme une priorité, et tous les autres bailleurs dans lesquels nous avons des intérêts, ces résidences autonomie, voilà, c'est vraiment à mettre en haut de la pile en termes de budget, en termes. Non, mais très clair. Mais je ne crois pas heurter le président Lyon, qui est toujours très attentif à l'ensemble de ces sujets. Très clair. Moi, je pense que plus qu'un vœu, c'est clairement un des objets pour moi des assises. Hyper, de manière hyper opérationnelle. Je suis directement sur assises. On est acteur. Ouais, mais je veux avoir aussi, vous avez une fois, les assises aussi, c'est pour avoir notre vision globale sur ce qu'on va attendre, y compris des opérateurs. Le président Lehongre et la présidente Karen Bevillard. Pardon. C'est une équipe. Puis c'est une équipe en neutre nom, parce qu'il siège ex-qualité, parce que conseiller départementaux. Pour le coup, monsieur Jamais, il est clair que dans le plan d'investissement qu'il va falloir imaginer pour ML27, on voit bien les grands morceaux qui nous ont toujours occupés. Vous en savez quelque chose en tant que maire de l'Orgue. L'ANRU, par exemple, a été toujours un des grands morceaux dans le plan d'investissement. On voit bien désormais que le maintien à domicile et l'autonomie, je ne veux pas dire à la mode de l'ANRU, mais sera aussi un des gros morceaux sur la stratégie d'investissement du bailleur départemental. Et en fait, les assises, ce n'est pas une marotte. Hein. C'est juste que je me méfie de la vente, pour avoir déjà exercé ces fonctions entre 2015 et 2017, Pascal Lehongre étant toujours à chaque fois et en permanence en charge en plus des questions financières, c'est qu'à chaque fois, on a une approche à la découpe. Donc, on fait un morceau d'aide sociale à l'enfance, puis on découvre que ça coûte un peu d'argent. Après, on fait un morceau de RSA, puis on découvre que ça coûte aussi un peu d'argent, tout ça est normal. Après, on fait un morceau de logement, puis on fait des garanties d'emprunt, on a l'impression que ce n'est pas de l'argent qu'on dépense, mais enfin, au bout d'un moment, ça compte quand même dans la masse globale et dans la notation aussi des finances de la collectivité. Donc, moi, ce que je veux, ça va être difficile, mais le mandat est donné au vice-président pour le faire, c'est que les assises nous permettent d'avoir une petite vue à 360 degrés qui dit au fond, dans les 10 prochaines années, je veux même un peu au-delà du mandat qui est le nôtre, si vous en êtes d'accord, en termes de réflexion et de stratégie, qu'est-ce qu'on fait et où est-ce qu'on fait le minimum légal, au sens strict du terme, parce que la loi nous oblige à faire, où est-ce qu'on va au-delà du minimum légal. Ce n'est pas un exercice facile, mais je vois bien déjà à travers les conversations que nous avons que les questions sur le logement et donc l'autonomie dans ces logements, c'est une bonne transition vers le rapport de Madame Le Seigneur, sont un sujet, à mon avis, qui va être assez consensuel, d'autant plus qu'à mon avis, il est aussi urbain que rural. Et donc, il est un des éléments aussi de réconciliation que l'on peut avoir, y compris dans les communes qui sont assez périurbaines ou interstitielles, comme dirait le géographe. Il y a juste que les gens qui sont dans ces résidences autonomie souvent ont moins le temps d'attendre que d'autres. Et là, vous parlez d'or, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas retenu M. Véran et son Ségur de la santé et médico-social dans les annonces et que nous-mêmes, on n'a pas attendu la fin des assises pour annoncer la participation du conseil départemental. Je ne le dis pas parce que c'est nous. Le département de l'Eure est le seul département de France à faire un euro, pratiquement pour un euro, avec le Ségur de la santé médico-social. Le seul. Ne me demandez pas pourquoi, mais vous avez des conseils départementaux de gauche comme de droite qui refusent même de participer aux discussions du Ségur. Ça semble complètement invraisemblable, considérant qu'au fond, c'est la tarification, la part est terminée. Ce n'est pas notre approche. Mais je rappelle quand même qu'on n'y est pas obligé, parce que gâteau avalé n'a plus de goût, comme disait ma grand-mère, et à force de manier des sujets, les gens finissent par considérer que nous sommes obligatoirement compétents sur le sujet. La téléphonie mobile en est un autre exemple. Nous ne sommes pas forcément financeurs des EHPAD. Et donc, on a fait le choix de l'être, et c'est un choix politique. Il faut bien clair que l'argent qu'on y met en investissement, pour que ça aille plus vite, c'est de l'argent qu'on ne mettra pas forcément autre part. Mais on considère effectivement que les gens qui sont dans ces EHPAD ne peuvent pas attendre. Et d'ailleurs, qu'hommage soit rendu à un ancien conseiller départemental, Alfred Recourt, pour le travail qu'il a fait à Conches sur son EHPAD, qui a un peu ouvert la voie à la nouvelle génération d'établissements dans le département. Je propose de mettre aux voix ce rapport. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport est adopté. Merci beaucoup. Rapport suivant, Madame Le Seigneur, sur le plan départemental de l'habitat, précisément, qui est un document important, car il n'est pas sans effet juridique aussi d'ailleurs sur l'ensemble des autres documents infra-départementaux. Allez-y, Madame Le Seigneur.
Merci. Est-ce que vous m'autorisez, M. le Président, à faire une présentation globale, alors dans la foulée, mais en séparant bien les choses, à la fois PDH et PDLHPD, et on fera deux votes différents. Ça me paraît tout à fait cohérent, Madame la Présidente. Une cohérence dans la présentation. Merci. Mais je vous en remercie d'être cohérente. Tout d'abord, je voudrais, et j'espère, enfoncer une porte ouverte en disant, et là on a eu l'occasion de pouvoir en débattre, que le logement était, vous l'avez vu, un pilier essentiel complètement transversal, eu égard et au regard à la fois de la partie de l'action sociale, toute la partie sociale, on en a parlé pendant deux temps, sur l'économie, bien évidemment, parce que penser le logement loin de l'emploi, ce serait une aberration, et qui dit logement dit derrière bâtimentaire, donc dit faire travailler les entreprises du local. Par rapport à l'environnement, puisqu'on a quand même un gros volet de protection de l'environnement au niveau du logement aujourd'hui, et heureusement, il le faudrait, il était temps. Au niveau du défi démographique, bien sûr, l'avélissement de la population et les enjeux que ça nous impose. Également en termes de sécurité, puisqu'il y a un vrai sujet de sécurité à la fois dans le logement privé, avec l'étalement urbain, quoi que ce soit, et à la fois dans nos logements sociaux, et bien évidemment de santé publique. Et donc, vous l'aurez compris, globalement, d'aménagement du territoire. Donc, ce n'était pas pour me la jouer, mais effectivement, du coup, ça reflète quand même sur l'intégralité, une grosse partie de ce que l'on fait au niveau du département. Si on est d'accord avec ça, et si vous m'autorisez, je vais continuer. Pour mémoire, aujourd'hui, nous allons voter et délibérer sur le PDH, plan départemental de l'habitat, et le PDLHPD, qui lui est plus sur le plan d'action lié plus au logement et à l'hébergement des personnes défavorisées. Il y a fait un petit peu référence tout à l'heure, Anne, je sais, parce que c'est ma marotte, je dis toujours, voilà, imaginez que le logement, c'est sur deux jambes, ça tient debout, il y a le hard et le soft. Vous avez le PDH qui est plutôt sur le domaine du hard, c'est-à-dire le bâtimentaire. Je construis quoi, où, pour qui, comment, sous quel contexte, qu'est-ce que j'invente et qu'est-ce que j'innove. Et deuxième jambe, le soft qui est le plus l'humain, c'est-à-dire on n'est plus sur le PDLHPD, sur nos publics fragiles, sur les publics le plus éloignés du système. Mais toute cette politique-là, bien évidemment, là, on le vote aujourd'hui parce que c'est la loi aussi qui nous impose d'avoir un PDH écrit, pensé, monté et voté, puis un PDLHPD. Et nous avons quand même, pour mémoire, voté une politique de l'habitat en juin 2017, où on a apporté des choses extrêmement concrètes. Rappelez-vous, il y avait quatre piliers. Il s'agissait de diminuer la part du logement dans le budget des ménages, de maintenir les personnes âgées à domicile, ça tombe bien, on vient d'en parler, on était déjà cohérent à l'époque, être autonome dans son logement, donc là, on est vraiment sur le sujet plus le volet de l'inclusif dont pouvait parler Anne tout à l'heure, et d'accompagner les collectivités dans la revitalisation du centre-bourg et de leur village, parce qu'il y a un vrai besoin. Vous avez vu qu'il y a... ils vont avoir du mal à suivre au niveau des slides, hein, parce que du coup, j'ai fait mon truc à ma sauce derrière. Allez-y, on vous écoute. Vous faites comme vous voulez. Hein. Ouais, sur le premier slide, vous avez vu les populations. En quelques chiffres, vous avez sur le slide là, retenez ça. Retenez 16% du logement social. Quand on parle de logement social, on ne parle que de 16% du logement à l'échelle départementale. Et lorsqu'on parle d'habitat et de logement au département de l'Eure, on parle à la fois du logement social et du logement privé, parce que nous intervenons aussi dans le soutien au logement privé. Il y a quand même une grosse partie des propriétaires et nous avons un bâti qui est relativement vieux. Parce qu'on a quand même près de la moitié des résidences principales partout dans le département de l'Eure qui sont antérieure à 75, c'est-à-dire mal isolée. Voilà, c'est à peu près la problématique qui est posée. Au niveau aujourd'hui de ce double vote, c'est une chance. C'est une chance d'avoir la concordance de date de ces deux votes en même temps. Le plan départemental est très clairement la feuille de route qui va donner notre politique logement pour les 6 ans à venir, pour pouvoir accompagner également l'ensemble des plans locaux de l'habitat dans les communes. On travaille avec eux, c'est pour leur donner aussi à un moment des éléments de décision. Ça vient avec, ça n'est pas, ça s'oppose pas, bien au contraire, mais c'est pour donner de la cohérence à l'ensemble des plans locaux habitat sur le territoire. Et puis l'autre côté, le PDHPD, où là, on est vraiment au regard des plus fragiles en termes de santé, en termes du mal logé, les plus éloignés du logement dit normal.
quelques éléments de bilan quand même très très rapidement parce que tout ce qui s'est fait là, tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui est au regard quand même des choses qui ont bougé. On a quand même fait des choses depuis 2015 en termes d'habitat et de logement. En termes d'habitat privé, depuis 2015, 2470 foyers ont été rénovés. Ce sont des gens qui sont modestes ou très modestes, qui n'auraient jamais fait de travaux chez eux pour pouvoir soit éviter d'habiter dans une passoire énergétique, soit de ne pas pouvoir vivre chez eux. Alors, des travaux aussi concrets que faire un chemin d'accès, changer la douche en baignoire, changer la chaudière, isoler, voilà. On est vraiment dans de l'hyper concret. Le Conseil départemental a financé depuis 2015 5,5 millions d'euros à apporter en termes de subventions et financement au privé, 5,5 millions d'euros. Et ces 5,5 millions d'euros ont généré pour 50 millions de travaux sur le territoire de l'Eure, pour des entreprises quasiment à 95% du territoire. Donc, quand je vous parlais de la dimension économique, on l'a. Et quand je vous parlais de l'effet de masse que ça peut avoir et l'effet levier qu'a le département sur ce sujet-là, il n'y a pas de doute. Côté logement social, est-il nécessaire de reparler, reparler de la situation d'un habitat? C'était compliqué, c'était très, très compliqué. L'opération de redressement a fonctionné, force est de le constater. Et enfin, la fusion des deux bailleurs, Sécomil et Eurhabitat, font qu'aujourd'hui, on a un bailleur social majoritaire, parce qu'à lui, il représente quasiment la moitié de l'ensemble du logement social sur le département, qui a aujourd'hui retrouvé les marges de manœuvre pour pouvoir opérer son travail correctement, c'est-à-dire la priorité aux réhabilitations qui sont nécessaires, qui ont été malheureusement un peu en souffrance depuis quelques temps, et se repositionner également sur des opérations nouvelles quand elles sont pertinentes, importantes, nécessaires, parce que ça, effectivement, il ne pouvait plus depuis les dernières années. Pour le logement social, le travail qui a été fait, notamment en redonnant l'attractivité au patrimoine, à travers mon logement 27 et à travers également l'accompagnement des autres bailleurs sociaux, parce que quand je vous ai dit 50%, c'est qu'on a d'autres bailleurs sociaux, sur le territoire. Je voudrais que vous reteniez aussi un chiffre sur les effets qui se produisent déjà aujourd'hui. Le taux de vacances dans le logement social a baissé depuis 2015 de moitié. Là où en Normandie, par exemple, il a baissé à peu près d'un tiers, à peine un quart, aujourd'hui, il a baissé de moitié. On est passé de 2,2 à 1,21 sur la vacance de plus de 3 mois. Pour être très précis, ce sont des chiffres officiels, on vient de les récupérer, ce sont les derniers chiffres en janvier 2021. C'est un très bon signal. Donc, ça veut dire que là, dans le sens où on est parti, on est carrément dans la bonne direction. Donc, il faut vraiment continuer en ce sens. Rappelez-vous aussi, vous avez déjà délibéré des choses sur le sujet, et je vous en remercie, chers collègues. Un autre élément du passé qui est très, très bon, au niveau du FSH, le Fonds de solidarité Habitat, des fonds qui permettent à un moment de favoriser l'accès ou le maintien dans le logement des personnes qui se retrouvent en difficulté, souvent très ponctuellement. Rappelez-vous, on a voté un assouplissement qui nous a permis de toucher, de faire des vides des personnes qui rentraient et qui décrochaient certainement à cause du Covid, et de pouvoir les faire ressortir de ces difficultés avant qu'elles ne s'enfoncent globalement. Ce fonds de solidarité Habitat a vraiment progressé dans l'accompagnement, et c'est preuve qu'on a eu raison de le faire. En 2020, on avait pu aider 1408 personnes, et avec l'assouplissement que nous avons voté, on est arrivé à 1852 personnes en 2021. Donc, on voit bien quand même que cette ouverture a permis de pouvoir aller là où il était nécessaire d'aller. Un effort a été mis surtout sur le précédent mandat, là et dernièrement, au niveau du Fonds de solidarité Habitat. Il faut l'avoir en tête, et c'est bien sûr le PDHPD va continuer en ce sens quand ça marche. On ne va pas changer de recette. Un effort a été mis sur les accompagnements spécifiques liés aux problématiques de logement. C'est-à-dire, le FSH, OK, c'est un tirage financier, on y va, mais ça n'est pas tout. On n'est pas un guichet à distribuer des financements. Il faut aussi avoir un accompagnement pour éviter que ça se prolonge, pour éviter que ça se reproduise et pour remettre les gens dans un circuit normal et les éloigner de la dette. Le nombre de personnes qui a été accompagnées depuis 2015
sur là, les 6 ans, a été multiplié par 4. Alors, je vous laisse imaginer aussi le surcroît de travail que ça fait avec les équipes des travailleurs sociaux qui font un boulot énorme. Je voudrais vraiment les saluer. Voilà, le chiffre, il est là. C'est juste une réalité. Nous avons multiplié par 4 l'accompagnement qui permet à un moment de pouvoir arriver à sortir les gens des difficultés de tout ce qui est lié au social. Voilà ce que je voulais faire au niveau du rétroviseur, puisque c'est avec ce rétroviseur qu'on peut aller devant vers ce que vous allez voter aujourd'hui sur le PDH, PDH-PD. Au niveau du PDH qui est proposé aujourd'hui, je rappelle quand même qu'il est constitué d'un travail de concertation avec les acteurs du logement, les EPCI ont contribué, l'État y a contribué, le CAUE, et je salue à la fois l'ancien président de l'époque au moment où ça travaillait dessus, qui était Xavier Hubert, et puis aujourd'hui Nicolas Gavard. Solia également, la DIL, les bailleurs sociaux, voilà, c'est un travail collectif qui permet d'arriver à un résultat qui a été vraiment partagé avec des réunions et ça continuera à être partagé. C'est important de le savoir. On ne referme pas la porte, au contraire, on l'ouvre aussi avec ce PDH. Le PDH repose sur 3 axes. Le premier axe, c'est de travailler sur les logements existants. Les 2 documents qu'on vote aujourd'hui sont très lourds. Vous l'imaginez bien, je ne vais pas vous en faire une présentation exhaustive et je vais pas. C'est compliqué de faire un résumé, un abstract. Donc, j'ai fait le choix de vous donner à chaque fois des exemples concrets pour que vous touchiez du bout du doigt à quoi ça peut ressembler derrière des phrases qui, des fois, sont un petit peu théoriques, j'en conviens. Pour travailler sur le logement existant, nous allons poursuivre l'amélioration de l'habitat privé. Tant sur les rénovations énergétiques et sur les travaux d'accessibilité et d'autonomie, parce que c'est vraiment les grands volets. Et ça, nous avons la chance d'avoir le territoire de l'Eure qui est carrément quasiment couvert à 80% par des OPA, des opérations programmées de l'habitat. Quand vous êtes élu, soit dans une commune ou dans une communauté de communes ou une agglomération, vous savez ce que c'est. Et ça, c'est vraiment un pilier très, très fort pour pouvoir agir et toucher en diffus l'ensemble des situations qu'il faut aller aider, notamment en privé, pour pouvoir faire les améliorations d'habitat et faire une remontée de situation. Le deuxième point de cet axe, c'est également les efforts à la réhabilitation du logement social. J'allais dire, il va se poursuivre, il va même carrément exploser et s'intensifier. Et on travaille vraiment en étroite collaboration avec Karen, que je salue, Karen de Villard, la présidente de Mon Logement 27, ses équipes et puis ses vice-présidents et sa vice-présidente Catherine. Je le rappelle, on vous l'a glissé un petit peu rapidement, je pense, mais je pense qu'il y a moyen de vraiment se figer ça dans l'esprit. Mon Logement 27 va débloquer et consacrer 200 millions d'euros sur les 10 ans à venir en termes de réhabilitation. Alors, on peut tout dire, mais ça, c'est immuable. Et ça, chaque année, donc avec des programmes. Le travail se fait très en amont avec les services au niveau du département, avec un dialogue de gestion absolument utile, avec des priorisations. Enfin, le travail se fait de façon concrète et rationnelle. Autre sujet, la reconquête. Je vous donne des exemples à chaque fois. Pour la reconquête des centres-villes et centres-bourgs, je vous donne un éclairage qui va arriver, et Nicolas Gavard connaît bien le sujet. L'appel à projet du CAUE qui est lancé notamment, qui a fait un constat que les centres-bourgs étaient désinvestis. Ils sont totalement désinvestis, alors pour différentes raisons. Il s'agit de les repenser. Donc, l'appel à projet, c'est repenser vraiment les centres-bourgs avec un nouveau modèle d'habité, un nouveau modèle de bâti à l'échelle de l'îlot, mais également avec une proposition nouvelle, innovante et en termes de montage financier et juridique. C'est là que ça sort des sentiers battus et qu'on devrait pouvoir atterrir sur des choses extrêmement intéressantes. Le but et l'objectif est peut-être d'avoir une opération pilote dans l'heure, une ou plusieurs, et ça, ce serait vraiment très, très bien. Donc, ce sera pour être un bon éclairage de la reconquête des centres-villes et des centres-bourgs. Passons à l'axe 2 du PDH. Là, c'est plus sur l'opération, les offres nouvelles, des nouveaux logements, mais ciblés et territorialisés. C'est-à-dire, on n'est pas hors sol, on reste vraiment avec le besoin local. En fait, de créer, par exemple, en termes de logement social, des choses moins généralistes,
qui sont un peu plus adaptés à nos cibles. Anne en parlait tout à l'heure, effectivement, et je suis ravie qu'il y ait également des projets ou des envies, comme tout à l'heure Monsieur Levitre le disait, ou ailleurs, il faut vraiment arriver à avoir des choses qui permettent de répondre à l'inclusion, de répondre à des problèmes générationnels ou intergénérationnels, et d'avoir des réponses plus ciblées qu'avant, où avant c'était... Je vais construire sur mon territoire un programme et puis je vais y mettre du logement social et ça s'arrêtait là. Non, non. Pour pouvoir dire oui, on va jusqu'au bout, c'est OK, j'y mets quoi? J'en mets combien? C'est plus spécifique à quelle population? Qu'est-ce que j'adapte dedans? Ou quel mode nouveau de logement? Donc, vraiment d'avoir quelque chose qui est plus ciblé. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, le logement familial de l'Eure, un autre bailleur social du département. Du territoire sur Évreux à un projet d'une résidence de 26 logements. Et là, ils se sont consacrés vraiment que des petites tailles, que des petits T2 et T3. Alors, il faut savoir quand même, nous savons quand on est adjoint au logement, quand on s'occupe du logement dans nos communes, que ceux dont on manque le plus actuellement dans les villes, ce sont les tout petits logements pour des jeunes actifs ou pour la décohabitation. Et là, vraiment, ils veulent se fixer sur les jeunes actifs. Le programme sera en proximité de la gare et donc avec une possibilité du coup d'avoir des jeunes actifs qui pourraient travailler sur Paris. Et outre le fait que sur le Évreux, il y a un taux de logement social qui est de plus de 44%, ce programme-là, la ville est OK parce qu'à un moment, c'est juste nécessaire, parce qu'il est ciblé, parce qu'il est pertinent. Toujours dans l'axe 2, vous avez l'offre de logement accessible à tous. Ça fait partie c'est un volet qui est important, c'est la loi aussi qui nous le demande. Alors, je vais vous donner un autre exemple de ce que ça peut donner lorsqu'on regarde au vu de ce qu'on a décliné sur le PDH. Il y a un exemple à Ménilonge. Là, ils se sont penchés en disant, voilà, on a besoin de quoi? Alors, c'est sur la commune déléguée de la Baronouche. C'est un secteur qui est plutôt détendu, donc on n'est pas du tout en besoin tendu de logement social. Ils se disent, qu'est-ce qu'on fait? On sent qu'il y a un besoin, mais tout seul, ça n'a pas de sens. Donc là, il y a un travail qui est fait avec la Siloge. Et on y retrouve, et on va y retrouver une maison médicale, une résidence autonomie, une extension du foyer existant des personnes handicapées, un petit peu version foyer hors les murs. Et c'est là que la commune a été maligne, la réhabilitation de 4 logements communaux en 4 studios meublés, parce qu'ils ont besoin à un moment de loger soit des étudiants, soit des saisonniers. Vous voyez à quel point on va rentrer dans une précision qui permet de pouvoir répondre aux vraies attentes. Un autre cas concret, je salue Thierry Plouvier qui nous l'a fait relever, maire de Lyon-Saint-Forêt, qui se retrouve avec une propriété en centre-bourg qui allait être vendue. Et il dit, non, mais c'est trop dommage. Donc, il s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire dedans des appartements que l'on pourrait consacrer, par exemple, en rez-de-chaussée aux personnes âgées qui sont dans leur maison, veulent rester à Lyon-Saint-Forêt, mais qui ne peuvent plus vivre dans leur maison. Et ça permet de faire tourner... le parcours résidentiel. Donc, c'est en relation avec Mon Logement 27 et Mon Logement 27 est en train de travailler sur une proposition de solution. Et là, vous voyez, hop, on est encore dans un cas concret. Donc, au niveau de ce PDH, on est vraiment sur de travailler sur des solutions d'offres accessibles à tous, mais ciblées à la vraie demande. L'axe 3, il s'agit de coordonner les moyens pour répondre au public cible. Nos jeunes, on a parlé tout à l'heure et le président l'a soulevé, les seniors et les publics fragiles. Nos 3 cibles essentielles qui ont un vrai besoin en termes de logement. Au niveau du public jeune, je viens de donner un exemple, par exemple, les petites T2, T3 qui auraient sur Évreux, mais ça peut être aussi ce qui a été fait à Pont-Audemer ou avec la Siloge, avec la réhabilitation d'un bâtiment qui était vacant pour avoir 22 places jeunes pour des 16-30 ans. Typiquement, ils avaient ce besoin vraiment précis au niveau de Pont-Audemer. Les seniors, je ne vais pas m'étaler en conjecture. Anne en a beaucoup parlé. Demain, il faut trouver les moyens. Simplement, oui, effectivement, pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement, maison de retraite, d'avoir des versions. On a plein de trous dans la raquette, en fait, sur le parcours, entre le moment où je suis obligée de partir ou non. Le moment où je dois rester chez moi, donnez-moi les moyens de pouvoir rester chez moi. Donc, on fait des adaptations. On fait éventuellement des aides qui viennent... à domicile, je ne peux pas rester chez moi, c'est trop grand, je veux quelque chose, mais je ne veux pas tout de suite aller dans un EHPAD, eh bien, ça peut être effectivement les habitats regroupés, ça peut être du biguinage, ça peut être, voilà, il y a plusieurs solutions. Si demain,
nous n'allons pas, nous, département, et si jamais les bailleurs sociaux ne nous aident pas à pouvoir aller dessus, on ira dans le mur. Donc, de toute façon, le PDH pose les choses en ce sens-là pour pouvoir y répondre. Et puis, enfin, les publics fragiles, où là, il y a des fois des cas très spécifiques, très fragiles, et pour pouvoir jouer l'inclusion, l'inclusif dont parlait Anne, il y a un moment, des fois, une étape d'accompagnement nécessaire. Donc, il y a un projet sur Évreux avec l'abri de 25 places dans une résidence accueil qui permet d'avoir des gens qui ont des profils plutôt psy, qui peuvent commencer à être chez eux en autonomie, mais qui doivent encore avoir un accompagnement avant d'y aller. En gros, imaginez le petit enfant, ah, on sent qu'il va pouvoir marcher, mais il faut encore que vous lui teniez le bout du doigt parce que sinon, ce n'est pas possible. Ben voilà, tenons le bout du doigt, et c'est vraiment ça sur ce projet-là qui est intéressant. Alors, ce type d'établissement spécifique en santé mentale, il n'y a que 15 places aujourd'hui sur le département de l'Eure. Le fait d'avoir à Évreux cette structure qui va se monter, on va monter par 2,6 aujourd'hui sur l'heure, la capacité que l'on a. C'est encore peu, mais voilà, il faut vraiment y aller. Donc, je suis assez contente de la réalisation de ça. Ce PDH, il va être animé. On ne va pas aujourd'hui voter quelque chose pour 6 ans. Ah, c'est bon, on l'a voté. Merci, au revoir, on se reverra dans 6 ans. D'abord, je pense que notre président ne nous laisserait pas faire, il aurait raison. Monsieur Jamais non plus. Ah, voilà, et monsieur Jamais non plus. C'est votre co-président. Nous sommes donc 3. Donc, il y aura une animation pendant 6 ans, des réunions. On va continuer à voir et travailler avec ceux qui nous ont aidés à le monter. Bien évidemment, c'est un sujet qui ressortira dans les assises, puisqu'on restera en cohérence. Il y aura, je crois, dans les assises, je ne crois rien dévoiler, je peux le dire, une journée vraiment habitat, parce qu'on voit que la problématique rentre par plein de points d'entrée. Il y aura aussi, il va y avoir là en juin 2000, en fin d'année 2022, je pense, au plus tard fin d'année 2022, l'arrivée d'un observatoire. Il était en conjecture, voilà, mais là ça y est, avec ce nouveau plan, ce nouveau PDH, un observatoire qui va nous permettre d'avoir une photographie objective, réelle, en temps réel, de ce que c'est l'habitat et le logement à l'échelle du territoire. Parce que souvent, on se fait des idées dans sa propre commune. Les gens me demandent, ne trouvent pas, donc c'est tendu. Ouais, c'est tendu là, mais pas juste à côté. En fait, ça permet d'avoir une cohérence à l'échelle d'un territoire plus large pour donner de la cohérence sur l'ensemble du territoire. Donc, avec des vrais chiffres, une vraie remontée. Et ça, je pense que ce sera un bon outil pour le département, nous, pour d'aide à la décision et de choix de priorité. Et également, du coup, pour les communes, pour les EPCI et pour les agglos. Ça, c'était la première partie du PDH. Je vous la fais rapide pour la deuxième partie, le PDLHPD. La méthode, pareil, elle a résulté d'une énorme animation. Alors, elle est animée par Caïm Braik Fagnoni, pour celles et ceux qui ont eu l'occasion d'assister à ses présentations. Connaissent toute la qualité qu'elle a dans ces sujets quand elle en parle. Il est co-présidé avec l'État, monsieur le préfet, qui, voilà, on est tous deux ravis de ce choix, elle l'anime. Et si, voilà, je la salue, c'est un gros boulot qui est fait. Il y a eu énormément de groupes de travail parce qu'elle a également travaillé avec les services de l'État et des services chez nous du département. En tout, c'est à peu près 120 personnes qui ont été consultées pour pouvoir constituer ce PDLHPD et le faire travailler. Il est reconstitué, là c'est la suite, on le renouvelle, hein. Ça fait quand même 6 ans qu'il existait, là on le revote. Alors on l'amende, on l'enrichit, on amène des choses nouvelles, on ne casse pas ce qui a été fait, loin de là, bien sûr. Vous avez sur le slide l'ensemble des publics qui sont touchés. C'est assez vaste, hein, mais vous voyez qu'on va des fois dans des décisions un petit peu aiguës des publics qui sont concernés par le PDLHPD. Donc, il s'agit bien, ça s'inscrit dans la continuité du précédent. Premier axe, il s'agit de soutenir et de fluidifier le logement des personnes défavorisées. Une action nouvelle, par exemple, alors il y a plein d'actions puisque c'est un plan d'action, donc il est vraiment, il y a des centaines et des centaines d'actions dedans. Je vous en donne un exemple.
étudier les possibilités de mobiliser le parc social existant en fluidifiant le parcours. On se rend compte aujourd'hui, et vous allez me voir, je vais peut-être en parler plusieurs fois parce que ça va devenir cheval de bataille, parce que c'est là que ça bloque le plus. C'est de pouvoir travailler sur les mutations. Les mutations ne sont pas assez fluides, effectives chez les bailleurs sociaux. Ça bloque de trop. Il faut vraiment qu'on aille de façon beaucoup plus active sur la politique de mutation. C'était un exemple. Axe 2, je vais vous donner un autre exemple. Axe 2, c'est qu'il s'agit de poursuivre et de renforcer la prévention des expulsions locatives. Un gros travail a déjà été fait, notamment avec l'équipe dédiée qui a été mise en place, que nous avons votée il y a quelques temps, qui commence à porter ses fruits, puisque nous avons de plus en plus de familles qui sont présentes au jugement et qui viennent. Et c'est super important qu'ils viennent quand il y a ce jugement à un moment, quand ils vont jusqu'au jugement avant expulsion. Mais dans le plan, là, dans la nouveauté de ce que l'on va faire et ce que l'on peut proposer, par exemple, c'est d'avoir un accompagnement après jugement. Parce qu'en gros, on leur lâche un peu la main. Enfin, des fois, ils ne comprennent pas toujours de ce qui a été décidé au jugement. On a vu une famille quand même se faire expulser parce qu'au jugement, il leur restait, je vous jure que c'est vrai, il leur restait à payer 87 euros. Ils n'ont pas compris. Il y a eu le jugement, ils ont cru qu'ils allaient se faire expulser et ils ont été expulsés. Ça ne doit plus jamais exister. Donc, il faut vraiment, vraiment accompagner les familles pour leur permettre de comprendre le jugement, ce qui a été décidé, et puis les aider à le résoudre et les aider à tenir la main pour ressortir de la situation. Donc là, il y a un vrai travail qui va se faire mettre en place, ou encore de lever les freins de nouveau à la mutation chez les bailleurs, parce que souvent, en cas d'expulsion, on attend qu'ils payent, qu'ils n'aient plus de dettes pour pouvoir les muter. Souvent, il faudrait les muter avant parce que ça accentue un petit peu leur dette. Donc, il y a encore un vrai sujet au niveau de la mutation chez les bailleurs. Vous avez un axe, le troisième axe aussi de la LHPD, c'est la lutte contre l'habitat indigne. Oui, il y a encore chez nous, dans le département de l'Eure, de l'habitat indigne. Et quand on en parle, l'habitat indigne, je vous en parle à titre sur l'habitat privé, en diffus, ce qu'on appelle des gens propriétaires qui sont complètement pauvres, ou bien malheureusement des habitats indignes également avec des vendeurs de sommeil. Ça existe. Donc, il s'agit, par exemple, de pouvoir mettre en place une vraie stratégie de repérage des situations. Parce que le plus compliqué, c'est à repérer. Vous êtes nombreux à être élus dans des communes ou à être maires. Nous comptons sur vous. Il y a un vrai problème de repérage à faire. Alors, vous, les CCAS et tout, c'est super important. Tant qu'on n'a pas repéré une situation en état d'indignité, c'est compliqué de pouvoir agir dessus. Puis après, il s'agit de connaître et d'activer les moyens existants. Alors, il y a des choses qui sont proposées dans le PDHPD pour ceux qui ont lu l'ensemble des 142 000 pages. Il y a par exemple la proposition de travailler sur le permis de louer, se pencher sur le permis de louer. C'est un levier intéressant. Je vous incite, hein, mesdames et messieurs les maires, c'est vous qui avez la possibilité de pouvoir le mettre en place. Réfléchissez, mettez-le. C'est compliqué parce que derrière, il faut une vraie stratégie de police de contrôle. Donc, c'est compliqué, mais c'est une vraie solution pour pouvoir arriver à tuer dans l'œuf ou au moins à diminuer les vendeurs de sommeil. Et puis également, par exemple, un autre cas, les situations d'incurie. À situation d'incurie, vous allez pas, je vous souhaite de ne pas en rencontrer tout le temps, mais c'est possible. Et c'est vraiment un exemple de ce que l'on peut traiter dans le PDHPD qui est important. Je vais vous donner par exemple le phénomène et le syndrome de Diogène. Vous avez entendu vaguement parler, vous voyez à peu près ce que c'est. En gros, c'est le syndrome de l'accumulation, de l'entassement et de l'incapacité à gérer son appartement. Si ça s'arrêtait là, ce serait bien. Sauf que souvent, et quasiment 99 fois sur 100, ça s'accompagne d'un refus total de l'aide extérieure. Et c'est ce qui complique énormément les choses. Juste pour votre information, une personne sur 2000 est en syndrome de Diogène, ce qui est énorme en termes de population française, à peu près entre 32 et 35 000 personnes. Alors, on ne les connaît pas tous, hein, ils sont enfermés chez eux, vous ne les connaissez pas. Voilà, donc il y a un vrai sujet, et l'idée qui est proposée dans ce rapport, c'est de mettre éventuellement une équipe mobile qui pourrait arriver à avoir l'agilité de pouvoir se déplacer sur le territoire, et puis peut-être éventuellement d'avoir des travailleurs sociaux qui seraient plus spécialisés, enfin, qui aurait une sensibilité ou une appétence plus sur ce sujet-là pour pouvoir travailler plus sur ce sujet qui est vraiment spécifique.
Le quatrième axe, conforter et adapter les outils adaptés aux besoins de nos publics cibles. Vous avez bien vu, je vais pas revenir sur de dire quels sont les publics cibles. L'outil majeur, on en a parlé tout à l'heure, c'est le FSH. On va essayer de continuer à le rendre encore plus agile, encore plus réactif, encore plus collé à l'actualité chaque fois que nécessaire. Il faut notamment, et c'est dans le PDHPD, si vous l'avez lu, simplifier le processus. On va voir comment on peut simplifier le processus d'instruction pour gagner en efficacité et gagner du temps. Parce que quand les situations s'embourbent, elles s'embourbent très vite et ça décroche très vite. Et il faut qu'on gagne du temps et de la réactivité sur le sujet. Et puis aussi, il faudra certainement, enfin, c'est même pas forcément, il faut qu'on crée un outil pour que vous arriviez, parce qu'une fois que je vous aurai fait toute ma présentation, vous aurez dit « ouais, super, mais tu nous as juste endormis parce que tu nous as raconté beaucoup de choses ». Mais créer un outil qui permette à tous de se repérer dans l'ensemble des dispositifs d'aide. Pour les maires, dans les petites communes, pour les CCAS, pour les gens qui sont au contact, de, même pour les bailleurs sociaux, pour les, même pour nos assistantes sociales. Parce que si on, plus on est agile, ça veut dire qu'on va changer rapidement les règles. Et en fait, il faut que ça aille très, très vite vers les, pas les usagers, mais ceux qui vont pouvoir accompagner les usagers. Donc, il faut vraiment qu'on soit, et ça fait partie des projets dans le PDLHPD. Et donc, ça me permet simplement de passer très, très rapidement le cinquième axe qui est en fait tout un pan sur la communication et la formation pour que tout le monde soit vraiment en prise avec les décisions qui sont données ici au département ou ailleurs, ou même l'État, parce que l'État aussi, il y a les lois qui changent et le règlement. Donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, vous êtes amené à devoir décider sur deux plans. Le PDH, la partie aménagement du territoire, je construis quoi, où, comment, pour qui, qu'est-ce que j'innove, les nouveaux produits, les nouvelles habitations de demain, et le PDLHPD, l'ensemble des actions qui vont permettre de pouvoir agir auprès des plus fragiles d'entre nous. Ces deux plans sont denses, mais ils sont cohérents. Ils sont porteurs d'intelligence et surtout d'intelligence collective. Ils sont également concrets. J'ai essayé, moi, de vous donner des éclairages et des exemples concrets pour que vous compreniez ce qu'il y a derrière. Mais je tiens à préciser aussi qu'ils ne sont pas figés. Là, aujourd'hui, on va le voter. On ne rave pas dans le marbre. Ce qui est, il faut qu'on reste souple. Et bien évidemment, de rester agile et réactif et de faire bouger les lignes, notamment avec les assises des solidarités où on va revenir sur ces sujets-là pour enrichir ce qui s'est passé. On ne va pas prendre le virage à 190 degrés, mais on va enrichir ce qui a été donné. Et voilà, c'est un sujet qui s'écrit. J'ai fini par ça parce que c'est un sujet qui s'écrit chaque jour. C'est compliqué, c'est dense, c'est très technique l'habitat. Et Monsieur le Président, je suis ravie que depuis 2015, vous m'ayez confié, car vraiment, c'est passionnant. Merci beaucoup. Y a-t-il des prises de parole sur ces deux rapports, Madame Léger? Oui, est-ce que vous m'entendez? Fort et clair. Merci. Oui, je voulais simplement saluer effectivement la qualité du diagnostic qui nous a été proposé, que j'ai pris le temps de lire attentivement, parce que vraiment, c'est passionnant. Je rejoins la passion de Diane là-dessus. Simplement, je voulais émettre un petit regret. Effectivement, j'ai participé de ce groupe de travail entre 2017 et 2021. Et Diane a rappelé les quatre piliers que le PDH avait à cette époque-là. Ce que je regrette simplement, c'est qu'en parallèle de ce très beau diagnostic, nous n'ayons pas eu quelque chose qui s'appellerait l'évaluation. Alors, à un temps T, hein, j'entends bien, parce que ce sont des politiques à très long terme. Diane nous a donné dans son exposé, je le remercie, un certain nombre de chiffres, mais je rappelle toujours que l'évaluation n'est pas simplement une évaluation quantitative, mais qu'il est important dans les politiques publiques que nous ayons des mesures d'impact et que nous aurions pu avoir déjà, en parallèle de ce diagnostic, un retour
vers cette mesure d'impact sur ce qui avait déjà été mis en place. C'est un regret, point final. Et puis une petite alerte, là aussi sur le PDAHP, c'est que alors c'est un dispositif qui existe avant 2015. J'avais aussi participé à sa mise en place. Et nous avions déjà à l'époque souligné la difficulté du parcours résidentiel des personnes qui ont des difficultés psychiatriques. Et je souhaiterais pouvoir croiser avec les assises dont vous parliez tout à l'heure pour dire que je pense que dans ces assises, il y aura aussi à pointer un sujet qui s'appelle les tutelles. En tant que maire aujourd'hui, j'ai à me confronter à un certain nombre d'habitants qui ont des problématiques de logement, des problématiques de voisinage de par leur pathologie et sur lesquels on découvre que la tutelle n'a pas payé les loyers ou on découvre qu'il n'y a pas eu d'accompagnement psy ou du moins d'accompagnement au moins social pour essayer d'insérer la personne dans son logement. Or ça, c'est quelque chose que je ne lis pas assez aujourd'hui encore dans le nouveau PDAHP, même si je comprends que c'est un point particulier et que il est quand même traité en filigrane dans l'exposé. Voilà, donc je n'ai pas de critique en particulière d'opposition particulière à cette présentation. Simplement sur ces deux points, je voulais y revenir parce qu'elles me paraissent importantes. Merci beaucoup. Monsieur Jamais. Dans le même sens que Yannick, nous étions parlé dans notre groupe et nous continuions d'ailleurs de nous en parler ce matin, de cette délibération importante, dont les 307 pages réalisées par un prestataire font évidemment un diagnostic exhaustif et donc du coup... Je reprends les mots de Yannick, intéressant, avec des objectifs ambitieux. On voit arriver les montants, les actions, page 235, si sur page 307, nous a laissé un peu sur notre fin, pendant 234 pages, mais pourquoi pas. Quatre points, simplement. La vacance sociale qui diminue dans notre département, elle est fonction quand même d'ANRU qui ont déconstruit beaucoup dans les deux poches de logements sociaux qui étaient les plus importantes. Les ANLI pourraient d'ailleurs s'y rajouter. On a vu là la vacance diminuer par la déconstruction. La deuxième chose, on pourrait avoir un tout petit débat sur la maison individuelle et Louvier, pardon. Non, c'est fou. Bon, ce que j'ai observé, moi, c'était à cause de ça, c'était un diagnostic qui était partagé avec le ministère du Logement. Donc c'est pour ça que je me permettais de le dire. Deux, le modèle de la maison individuelle, ce qui est un sujet compliqué. On a bien vu avec la ministre Emmanuelle Wargon, quel vieil ami, je parle assez souvent quand même, le petit collectif ou l'habitat individuel groupé, c'est là où généralement on a la difficulté à trouver de bons architectes. Ce n'est pas évident. Et par ailleurs, c'est là où, du coup, comme ce n'est pas évident, c'est là où il y a des malfaçons. C'est là aussi où, quand on est dans un appartement, il y a celui du dessus qui vous chauffe et celui du dessous qui vous chauffe. Quand on est dans l'individuel groupé, on est parfois dans la précarité un petit peu énergétique et acoustique. Donc, la maison individuelle, c'est le but des Français. Ce n'est pas non plus une bonne chose obligatoirement, notamment dans un département agricole par bien des côtés comme le nôtre, avec des extensions en tache d'huile le long de la Seine ou avec des extensions en étoile autour d'Évreux. Donc, il y a une question à poser. Je n'ai pas la réponse, bien évidemment. Ça, c'est là, après l'ANRU, la maison individuelle. Troisième chose, je pense qu'on devrait, là aussi, c'est un vœu un peu comme celui de tout à l'heure, dans des communes qui ont beaucoup de logements sociaux, dire qu'il faut aller vers le haut du logement social, que l'interdiction de reconstruire la ville sur la ville en cas de logement social, la nécessité de le faire ailleurs, est peut-être à prendre avec plus de finesse. Je veux dire, sans ça, on fait partir des habitants, ce qui est toujours compliqué. Et donc, de dire oui, on ne va pas partir avec la base du logement social, on va partir avec le haut de gamme du logement social, ce qui crée dans le logement social un parcours locatif quand même, et quelque chose qui ne serait pas totalement mauvais.
Et puis, moi, c'est revendication, je vais simplement de la dire en un mot. Les zonages m'ont paru parfois aberrants, les B1, les B2, voilà, alors, mais également comme des PPRI, également comme tout sujet qui couvre la France entière, pour lequel, bien évidemment, il faut créer des critères. Et je pense que plaidoyer pro domo, Diane, vous le savez, c'est peut-être quand même pour qu'on revienne en B1 sur la quatrième commune de l'Eure. Mais, pas l'endroit, je reconnais, pas l'instance, c'était juste parce que je ne peux pas m'en empêcher. Le président Le Hongre non plus ne peut pas s'en empêcher pour Passy. Donc, alors, je ne peux pas vous en vouloir. Je prends un B2, moi. Axe inattendu, tout d'un coup, ça fait jour sur la classification. Je vois notre collègue Michael Unodibio, vous avez la parole. Merci. Oui, j'avais une question, alors peut-être qu'on en discutera au moment des assises, mais je voudrais savoir le devenir d'un rapport qui avait été vu en commission permanente au mois de mars 2021 qui visait à instaurer une troisième ligne de quittance de contribution du locataire aux travaux d'économie d'énergie. Donc, effectivement, les logements sociaux, en l'occurrence, je vais parler de ceux-ci, sont assez vieillissants et assez mal isolés, sont de vraies passoires. Et cette quittance qui est appliquée là, depuis mars 2021 est assez injuste à mon sens, puisque ce sont parfois des locataires, si je prends un exemple, hein, par exemple, d'un locataire qui occupe son logement depuis une douzaine d'années, un logement de 50 mètres carrés, qui paye 200 euros par mois d'énergie sur un loyer de 370. Je pense qu'on a tous constaté l'évolution galopante du coût d'énergie pour les Français. Cette quittance me paraît un peu injuste. Donc, je pense qu'il serait bien de la revoir. Donc, je ne sais pas si c'est envisagé au moment des assises ou si ce sera des travaux avec mon logement 27 directement, mais je voulais aborder ce point ce matin. Y a-t-il d'autres prises de parole ? Madame Thérèse, et ensuite on laisse Madame Le Seigneur répondre à l'ensemble des interventions. Il y a M. Courel parle à son écran, mais je ne sais pas si... Alors, ce n'est pas parce qu'il parle à son écran qu'il a forcément envie de prendre la parole. Derrière, il y a nous, quand même. Deux choses différentes. Surtout, M. Courel parle à son entourage et vous êtes en train de le outer d'une conversation privée qu'il est en train d'avoir. Derrière l'écran, c'est très, très au point. Enfin, il y a 15 personnes derrière l'écran. Ah, M. Courel, maintenant, engueule son écran, mais le micro est fermé, M. Courel. Allez, on commence par M. Levitre, qui, lui, a l'habitude... Et ensuite, M. Courel aura trouvé le bouton pour ouvrir son micro. Sinon, l'administrateur le fera et laissera la parole au président Courel. Non. Monsieur Levitre, vous avez la parole. Bon, ben, Monsieur Levitre ne veut pas prendre la parole, donc ça règle le problème. Monsieur Courel. Dieu, vous m'entendez ? Fort et clair, Monsieur Courel, vous avez la parole. Vous m'entendez ? Oui, Francis. Merci, Président. Bonjour à tout le monde. Je considère que ce document d'orientation qui fait à la fois le diagnostic et des propositions d'engagement sur la prochaine mandature est très important. Il se situe, n'oublions pas mes collègues, dans un contexte national, on va dire, extrêmement dégradé, puisque dans notre pays, on a quand même 1 million de personnes qui sont privées de logement personnel, 4 millions de mal logés, 12 millions menacés d'un problème lié à un logement. Donc, c'est vrai que le droit au logement, on peut dire, dans notre belle République est un peu bafoué. À nous d'agir concrètement pour le rendre effectif. C'est l'objet de ce rapport, au moins ciblé dans notre département. Je voudrais... reformuler ici les quelques remarques que j'ai eu l'occasion d'exprimer lors de la commission des finances, c'est en ce qui concerne l'axe 2, c'est-à-dire poursuivre le développement de l'offre neuve de manière ciblée et territorialisée. Le rapport, à juste titre, constate d'abord, on va dire, que la production ces dernières années a été en baisse continue, puisque la construction neuve ces dernières années, pour des raisons, je dirais, je pense qu'il relève également de la politique nationale, c'est-à-dire le soutien affaibli au parc HLM, la réforme de la TVA et de l'APL, ont
abouti à ce que l'ensemble des bailleurs sociaux dans notre pays ait moins de capacité financière pour répondre aux besoins de construction neuve. Car la construction neuve, même si le rapport, comme l'a fortement expliqué Diane, elle est ciblée et territorialisée, je pense qu'elle reste, il faut lui donner des objectifs quantitatifs. Notre département a les trois caractéristiques qui le justifient. Il est en croissance démographique régulière, il a une population jeune importante et le taux de vieillissement est celui qui ressemble à celui de la nation. Donc, c'est bien de réhabiliter les logements vacants, d'essayer de changer le contenu, la programmation qui correspond plus à la sociologie d'aujourd'hui, aux familles monoparentales, aux familles isolées, mais nous avons un besoin important de construction de logements neufs. Trois remarques à ce sujet-là. Je pense toujours, là, ça dépasse le cadre de nos prérogatives, c'est plutôt du domaine national. J'estime qu'il faut toujours mettre la pression, peut-être augmenter la sanction sur les communes qui se trouvent hors la loi par rapport à la loi SRU. Pas pourquoi on continuerait, même si on doit lutter contre l'artificialisation, à construire dans les zones urbaines, dans les métropoles, dans les agglomérations. Nos zones rurales ont aussi, et c'est une demande aujourd'hui post-Covid, besoin de construction neuve. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est, je l'ai formulée lorsque mon logement 27 a adopté sa convention d'utilité sociale. Dans la convention d'utilité sociale, il est indiqué que nous devons enregistrer une réduction de la part des logements conventionnés PLAI dans les projets de développement qui passent de 40 à 30%. Or, les PLAI, vous le savez tous, mes chers collègues, sont les logements qui sont prioritairement réservés en fonction des revenus, aux conditions modestes, précaires, voire pauvres. Et donc, il y a une réduction programmée de ce parc qui correspond pourtant à une nécessité très importante des mal-logés d'aujourd'hui. La troisième remarque que je voudrais formuler, c'est est-ce que le département pourrait revenir sur son taux de garantie des emprunts? Il a été réduit. Le département de l'Eure, pour le moment, garantit les emprunts contractés par les organismes HLM à hauteur de 10%, en justifiant de ne pas mettre en péril les finances départementales. Mais ce taux de réduction des garanties d'emprunt se répercute automatiquement sur les autres garantisseurs, c'est-à-dire à la fois les agglos, les communautés de communes ou les communes qui, elles, se trouvent automatiquement dans les mêmes conditions d'inquiétude financière que celles du département. Donc voilà les quelques remarques que je voudrais faire, sachant que, bien entendu, ce rapport est très important, mais il faut lui donner peut-être quantifier les programmes, lui donner encore un peu plus d'ambition pour essayer de faire en sorte que le département de l'Eure puisse inscrire en lettres d'or qui garantit le droit au logement pour tous. Merci, M. Courel. M. Levitre, puis Mme Beauvillard. M. Levitre. Mme Beauvillard, voilà, parce que le micro de M. Levitre est bloqué. Je n'ai pas demandé la parole, M. le Président. Vous n'avez pas demandé la parole ? Très bien. On croyait que vous discutiez avec votre écran également tout à l'heure, donc... J'en suis désolé. Madame la Présidente Beauvillard, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Parce que du coup, en fait, ça fait un peu un écho. Oui, fort et clair. Oui, très bien.
Juste en fait quelques précisions par rapport aux interventions là, qui se sont succédées. D'abord déjà, donc, chère Diane, toutes mes félicitations et aux équipes, notamment pour ce travail mené et l'ensemble des actions donc, qui sont à déployer sur les années à venir et en effet où Mon Logement 27 sera bien entendu un acteur essentiel sur ces sujets puisque, comme tu l'as rappelé Diane, avant nous ne pouvions pas, mais on avait envie et maintenant à Mon Logement 27, on souhaite faire des choses et en plus nous avons les moyens de les faire, donc c'est extrêmement important. Sur la mobilisation en effet du parc existant, donc Monsieur Ono Didio donc, nous indiquait, alors je pense que c'était avec un problème de locataire de Mon Logement 27 d'après ce que j'ai pu comprendre. On a donc l'ambition, et ça on a acté déjà qu'il y avait 3200 logements à rénover pour les 4 années à venir. Et parmi, en effet, ces logements, il y a des problématiques d'isolation, ce qu'on appelle en fait les fameux donc, logements passoires énergétiques. Ces 3200 logements, donc en gros, il y a une enveloppe qui est dédiée de 37 000 euros par logement, donc pour améliorer l'étiquette énergétique. L'objectif donc, pour Mon Logement 27, c'est bien de faire baisser la facture énergétique de ses locataires. Vous avez raison, qui est en effet extrêmement élevé. Et il faut retenir le chiffre de 400 euros par an en moins sur la note énergétique. Voilà, ce sera l'objectif de ces rénovations. Ensuite, je voulais répondre à Monsieur Courel, peut-être d'une manière plus globale sur la politique nationale. Je souhaite attirer votre attention sur le fait que le rapport Rebsamen donc de l'été dernier avait attiré en effet au niveau de la politique nationale d'augmenter les capacités à construire et donc dans la loi de finances 2022. Vous avez donc des dispositifs qui vont permettre notamment aux maires, donc aux maires constructeurs, de bénéficier d'exonérations de TFPB entre 2022 et 2026, et notamment sur les zones rurales. Donc ça, c'est aussi un point important et qui permettra en effet aux maires qui ont des projets de construction de logements sociaux et bien notamment aussi de venir nous voir, bien entendu, à Mon Logement 27. On en espère puisqu'on a 10 à 15 programmes environ par an de logements, soit 170 logements par an. Donc, nous serons donc à leur écoute pour les projets qu'ils ambitionnent. Et puis enfin, toujours pour répondre à Monsieur Courel, donc par rapport au dernier conseil d'administration qui s'est tenu et la convention d'utilité sociale, je crois qu'on avait été clair à la fin de notre conseil d'administration pour dire que, en effet, l'offre de PLAI qui concerne nos locataires, je dirais, les plus pauvres, il n'a pas été question de réduire en fait la voilure du PLAI, mais bien entendu, comme tous les bailleurs sociaux de l'ensemble du département, je dirais plus généralement même de Normandie, d'avoir en fait la même offre et ne pas avoir une offre supérieure par rapport aux autres. En fait, c'est un alignement. Voilà ce que je voulais vous répondre. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Nedibio, vous avez déjà eu la parole. C'est pas que je ne veux surtout pas fliquer, mais si on veut tenir les délais, il y a des contraintes qui ne seront pas compatibles. Alors, moi, je vous propose de vous la. Enfin, je soumets à l'Assemblée, et singulièrement au président de groupe, je veux bien faire durer un tout petit peu le débat sur cette délibération-là. La contrepartie, c'est que nous soyons peut-être un peu plus mécaniques sur les délibérations à venir. Part aussi du principe qu'elles ont été communiquées à l'ensemble des élus en amont. Hein, donc, on ne découvre pas les délibérations en séance. On est là pour avoir un débat sur elles. Mais après, je ne veux pas qu'on me reproche d'aller trop vite, parce que sinon, on me le reprochera de nouveau. Donc, part du principe que les délibérations sont travaillées par les élus en amont. Peut-être que j'ai tort, mais je pense que c'est bien de travailler en amont. Je pense que c'est bien de travailler tout court. Je pense que c'est bien de faire des choses en amont, et c'est encore mieux de travailler en amont. Donc, Monsieur Nedibio, vous avez la parole d'un mot. Ensuite, Madame Thérèse qui a demandé la parole. Madame Leseigneur répond et on passe au vote. Oui, c'est bon.
Oui, en tout cas, on vous entend. Je ne sais pas si c'est bon. Très bien. Alors, je fais très vite. Oui, je voulais juste apporter une précision. Effectivement, l'équivalence de 400 euros d'économie sur les factures énergétiques des locataires logement 27 par an, c'est très bien. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on fasse payer ces travaux d'économie d'énergie aux locataires via cette quittance, qui pour le coup est le cas depuis le rapport présenté en commission permanente en mars 2021. Donc voilà, il y a une action, une politique sociale peut-être, vu le coût de l'énergie et la situation actuelle, où on pourrait peut-être éviter d'appliquer cette fameuse quittance. Merci. Merci beaucoup, Mme Thérèse. Très, très rapidement, moi, je voulais dire que ce PDH, c'est un véritable outil de pilotage, en fait, d'une politique publique qui est très complexe, qui est très technique, qui est parfois très fragmentée dans l'exercice de la compétence, mais qui est absolument essentiel pour assurer la cohésion sociale et territoriale. Et effectivement, on oublie un peu trop souvent que la cohésion sociale passe par l'aménagement du territoire. C'est l'objet de la question de la répartition spatiale des logements, et on en revient d'ailleurs aux questions de PLAI qu'on avait déjà évoquées dans l'administration de mon logement de 27. C'est la capacité du département à être protecteur en améliorant le reste à vivre des ménages. Et c'est les questions de zonage. C'est un document très important. Bravo à Diane d'avoir travaillé sur ce rapport, aux équipes qui ont fait un excellent travail. Et je ne doute pas effectivement que les assises permettront d'apporter un certain nombre de sujets, dont les tutelles. Et je rejoins Madame Léger sur ce sujet. Les tutelles, c'est un vrai sujet. Et on l'abordera en transversalité sur l'habitat et pas que sur l'habitat d'ailleurs. Merci beaucoup, Madame Le Seigneur, pour répondre à l'ensemble des intervenants, s'il vous plaît. Du coup, je vais faire court parce que pas mal de réponses vous ont déjà été données par mes collègues et c'est très bien. Vous aurez remarqué qu'on travaille main dans la main toutes ensemble et ça fonctionne plutôt pas mal. Je commence par la fin. Monsieur Courel, alors au niveau de la production en baisse, je voudrais juste préciser, c'est pas l'État, c'est pas quoi que ce soit, c'est pas qui a fait que la production neuve a baissé. Je rappelle simplement, pour votre mémoire, dès le début du mandat en 2015, nous avons dit qu'il est absolument impératif de redonner l'attractivité à l'ensemble de notre patrimoine. Pour cela, nous devons absolument mettre un frein à la construction neuve, à tout va, n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment, se concentrer effectivement sur les réhabilitations qui permettent de travailler le patrimoine existant. Donc, c'est un frein que nous avons donné nous-mêmes volontairement. Maintenant, il y a moyen de pouvoir redémarrer sur un rythme plus intéressant, de repartir sur des constructions en gardant la même logique, pas n'importe quoi, pas n'importe où et pas n'importe comment. Donc, en fait, on a la même politique depuis 6 ans. C'est plutôt pas mal, ça évite de se tromper. Monsieur Odilio, je reviendrai vers vous directement en vous donnant des réponses précises. Je pense que vous n'avez pas bien analysé ou compris la délibération dont on parlait en CP. Donc, on va revenir vers vous directement parce que là, il y a misfit, comme dirait l'autre. Monsieur Jamais. Je suis d'accord avec vous. Je ne vais poser aucune question. C'est sûrement pour ça. Je suis d'accord avec vous sur la. Je n'étais pas à l'époque une des grandes férues du pendant l'enrue, vite, vite, reconstruisons ailleurs, on ne construit pas là. Pour moi, c'était pas. La solution n'était pas là. Ils pensaient avoir trouvé la bonne, c'était pas la bonne. Et aujourd'hui, je n'ai peut-être pas assez assisté, mais c'est vraiment dans le PDH. Vous verrez que nous, on a envie vraiment de contraindre un petit peu les bailleurs sociaux, notamment à retravailler sur de l'acquisition-amélioration, de construire la ville sur la ville, avec des logements qui sont des habitations, des logements au-dessus des commerces qui sont vides parce que c'est juste plus adapté, on ne peut pas y accéder. Enfin, voilà, d'avoir tout un volet qui permet à un moment de réoffrir une offre, de remettre sur le marché une offre qui sera pertinente avec des choses qui sont existantes en réinventant, en isolant et en les rendant vraiment vivables. Donc, je suis tout à fait d'accord. Je ne suis pas trop d'accord au niveau en disant que c'est l'ANRU qui a contribué à diminuer la vacance. Non, je vous donne les chiffres. L'ANRU, on était déjà quasiment plus, on était en fin, on était vraiment en queue de comète sur l'ANRU quand on est arrivé nous en 2015. La baisse de la vacance, elle a vraiment été. Alors, elle est liée aussi à une grosse part à la reprise en main d'un habitat qui avait son plus fort taux de vacances, évidemment, avec 50% du logement. Déjà, c'est eux qui se trimballaient la plus grosse vacance sur le département. Un des plus gros bénéficiaires de l'ANRU.
Oui, bien sûr. Mais du coup, qui n'avait pas transformé dans votre carrière. Et qui ne l'est pas. Oui, mais surtout qu'il y avait un patrimoine qui ne. Qui était, c'était pas fluide au niveau des attributions. Ils avaient un patrimoine, bah, vous savez, hein, quand vous n'avez pas envie d'aller habiter quelque part, vous n'y allez pas, même si vous avez envie, vous pouvez toujours rêver de baisser la vacance. Quand on n'a que des appartements où personne n'a envie d'aller, c'est un petit peu compliqué. Donc, il y a vraiment eu un travail. Les premières réhabilitations ont commencé à porter leurs fruits et le fonctionnement des cales, puisque du coup j'y assistais dès le début depuis longtemps, enfin depuis 2015, voilà, ont vraiment transformé l'essai. Donc ça a vraiment marché. Et dernier point, Jannick, je suis désolée de ta frustration sur l'évaluation. Alors, elle est quand même présente dans le début du PDH, puisqu'il y a quand même, avec le diagnostic, on fait un retour quand même un peu sur le résultat de la politique. Et oui, bien sûr, tu as raison, la partie psy, les tutelles, toute cette frange qui, ça peut paraître un détail pour vous, comme dit l'autre dans la chanson, mais il y a un moment, c'est super important, et ça fera partie, effectivement, dans les assises, des choses dont on verra, et c'est traité dans le PDH. Alors, même si les tutelles ne sont pas écrites telles que dans le PDH-PD, je sais que c'est un des leviers sur lequel travaille Karine Roig-Fagnoni sur les choses à mettre en place. J'ai fait rapide sur les questions parce que je pense que le reste a été répondu. Merci beaucoup. Je passe donc aux voix le rapport. Qui est contre ? Deux rapports. Il y a deux rapports. Donc le premier rapport, oui, c'était clair pour moi, vous avez raison. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, merci beaucoup pour le rapport 8.2. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, merci beaucoup. Comme l'a dit la présidente Le Seigneur, on sera amené, à mon avis, chaque année, sur un rapport peut-être plus court, à procéder à des ajustements, en tout cas à un rendu compte à minima et à des ajustements complémentaires le cas échéant. Je laisse la parole à M. Duché pour la nouvelle politique de soutien au territoire. Il est 11h56. Je vous propose de faire une prolongée et d'essayer de terminer notre ordre du jour avant un déjeuner peut-être plus tardif. En tout cas, en fonction de ce rapport et de celui qui suivra, nous serons en mesure de décider de ce qu'il conviendra de faire pour l'organisation de nos travaux. M. Duché, vous avez la parole. Très bien, merci M. le Président, mes chers collègues, je vais essayer d'être rapide. Déjà faire un bilan des contrats de territoire qui se sont déroulés entre 2015 et 2022, donc 13 contrats avec les EPCI. Les revoyures sont intervenues sur l'ensemble des contrats, à l'exception de la communauté de communes Roumois-Seine, puisque nous n'avons pas remodifié le périmètre du contrat, enfin, à demande de la communauté de communes. Il reste Honfleur-Beuzeville qui est en cours de négociation, mais les revoyures ont été signées d'ici au premier semestre 2022. Ces 13 contrats ont généré 448 projets sur le territoire départemental pour près de 640 millions d'euros de travaux. Et sur ces 640 millions d'euros de travaux, les collectivités, EPCI et communes, ont pu bénéficier de 85 millions d'euros de subventions départementales, qui représente une moyenne de 141 euros par habitant, ce qui est assez important. Et le premier item qui ressort dans les travaux sont les écoles, les équipements scolaires, périscolaires, restauration scolaire pour environ 31 millions d'euros de subventions départementales, ce qui génère 121 millions d'euros de travaux à peu près. L'année 2022, c'est une année transitoire, tout simplement parce que la région, vous le savez, a décidé de maintenir les contrats de territoire, de les prolonger d'une année. En cela, nous avons validé, même après avis des présidents de PCI, nous avons décidé de valider la même dimension. Et donc, en 2022, nous verrons la fin des contrats de territoire. Donc, il faut solder ces contrats de territoire et les revoyures. Il nous faut affiner les nouvelles modalités de financement des projets communaux et intercommunaux. Et puis lancer, à mon sens, dès le second semestre 2022, l'appel à projet sur le dispositif dont je vais vous parler, qui pourrait être Mon école, mon avenir, sur la dimension scolaire. Pourquoi cette réforme ? Tout simplement parce que nous souhaitons être plus agiles et plus en lien avec les collectivités locales. Nous pensons que la maille de l'EPCI reste une maille intéressante en termes d'aménagement du territoire. Néanmoins, le cadre contractuel a souvent, en tout cas, ralenti, si ce n'est bloqué parfois, quelques projets communaux importants, et il fallait attendre des revoyures, et le cadre avec l'intercommunalité n'était pas simple. Donc, il est
convenu de vous proposer aujourd'hui de repasser sur une maille à la fois du contrat de territoire avec département et région, mais dans un deuxième temps, d'avoir surtout des rendez-vous avec les communes sur des thématiques, pour donc un peu plus d'agilité dans le dispositif de contractualisation. Comment nous abordons ce sujet, à la fois sur un contrat de territoire avec le département et la région, mais uniquement sur les compétences des intercommunalités ou des communes pour des équipements supracommunaux. Dans les trois domaines qui sont cités, qui sont la culture, le sport et la santé, je vais vous donner trois exemples. Du point de vue culturel, souvent les bibliothèques ne figurent pas dans des politiques d'EPCI, dans les compétences des EPCI. Elles sont parfois gérées uniquement par la commune, mais elles n'ont pas de sens. Elles ne servent pas uniquement à la population de la commune, elles ont un ressort plus important. Le sport, c'est la même chose, il arrive parfois que nous puissions avoir des gymnases en maîtrise d'ouvrage communal. Les gymnases, on le sait, les associations sportives qui utilisent, ce ne sont pas forcément les habitants de la commune. Donc, c'est ce qu'on peut appeler le supracommunal. Et la santé, c'est tout le dispositif autour des maisons de santé pluridisciplinaires, où là, il est une évidence que nous ne construisons pas des maisons de santé pluridisciplinaires uniquement pour le bassin de population des communes. Et donc, on est sur quelque chose qui est au-delà du communal, donc qui est dans le supracommunal, et évidemment pour les compétences des intercommunalités, d'intervenir dans les compétences d'intercommunalités. L'autre pan du dispositif, le deuxième pilier, sont des dispositifs spécifiques, thématiques, de contractualisation avec les communes ou les intercommunalités, bien entendu, si tant est qu'elles rentrent à l'intérieur, sur plusieurs plans. Premier plan, j'en ai parlé tout à l'heure, Mon école, mon avenir, qui va avoir trait à tout ce qui est extension, réhabilitation, construction de nouveaux établissements scolaires, de restauration scolaire, d'équipements périscolaires. J'attire votre attention sur ce sujet-là, c'est un sujet important. On le sait tous, on a une diminution des effectifs de collégiens, donc on aura une diminution des effectifs des primaires et des maternelles à hauteur de 3500 élèves d'ici à 2025. Donc, il nous faut faire attention à la dépense que nous allons avoir sur ces sujets. Et donc, il faut que ce dispositif soit vraiment articulé avec les politiques étatiques et notamment avec la DAZN sur ce sujet-là. Deuxième dispositif autour de la nature et de l'environnement, plutôt en lien avec les compétences de Myriam Dutheil. Troisième item, les équipements sportifs de proximité, c'est tout ce qui est city-stade, tout ce qui est terrain de paddle, tout ce qui peut être foot à 5, les petits équipements sportifs de proximité dans lesquels nous souhaitons nous investir sous l'autorité évidemment de Pascal Lehongre. Un dispositif spécifique, aménagement cœur de ville, cœur de bourg, qui seront ce qu'on appelait les ex-AUP, aménagement urbain et paysager, qui existait ou qui préexistait dans les précédents contrats, mais qui couvre aussi la dimension du commerce et l'aide au maintien du dernier commerce, les aménagements touristiques qui rentrent aussi dans ce dispositif cœur de ville, cœur de bourg. Mon village, mon amour, dispositif que vous connaissez bien, donc qui est sur le patrimoine culturel et vernaculaire de nos communes, qui évidemment est maintenu, est un dispositif qui fonctionne extrêmement bien. Un sixième dispositif autour des mobilités du quotidien. Les mobilités du quotidien sont les pistes cyclables, notamment intra-communales, qui sont ou pas en lien avec les infrastructures de véloroute, voie verte départementale. Ça peut être avec la vélo, ça peut être avec les autres infrastructures véloroute, voie verte départementale. Et puis, le dernier item autour de la sécurité. Dans la sécurité, il y a trois grandes familles. Il y a évidemment la défense extérieure contre l'incendie dans lequel nous souhaitons poursuivre le dispositif d'accompagnement des communes. Les équipements autour de la vidéoprotection en lien avec le FIPD et la DETR de l'État. Et puis, l'équipement aux polices municipales de proximité. Tout ça, évidemment, est en lien avec le travail de Xavier Hubert autour du contrat de sécurité intégrée qu'il va vous présenter tout à l'heure. Deux autres dispositifs complémentaires sont en cours de réflexion. Un fonds d'aide pour les travaux d'urgence de moins de 100 000 euros qui existe déjà et qui était ce qu'on appelait l'ancien volet 3. Et un nouveau dispositif qui est un appel à projet innovation territoriale sur lequel le département se réserve la possibilité de faire des appels à projets spécifiques sur telle ou telle thématique et de pouvoir y caler un projet départemental d'envergure qui peut
être dans le thème de l'innovation territoriale. Voilà, mes chers collègues, à peu près le dispositif tel qu'il est arbitré. Il sera la première partie, la première tranche, c'est évidemment le dispositif Mon École, Mon Avenir, puisque je sais que nous sommes beaucoup attendus par les communes sur ce dispositif-là. Il faut juste que nous terminions de caler les choses avec l'éducation nationale. Voilà, évidemment, nous en avons parlé au président de PCI lors de la conférence des présidents qui s'est tenue cette semaine. Et tout ça s'inscrira évidemment dans un cadre de consultation avec les EPCI. On ne fait pas de l'aménagement du territoire en dehors des EPCI. Et donc, il est bien normal que le président de l'EPCI soit au courant de ce qui se passe sur son territoire. Néanmoins, il n'est pas en position de choisir tel ou tel projet à retenir sur son territoire, qui reste de la compétence, évidemment, du département et du financeur principal, qui est le département. Pour les dispositifs régionaux, il nous faut encore attendre un petit peu de temps puisque la région s'est inscrite dans le cours de la délibération, est aussi en train de voir ses politiques structurelles en matière d'aide à l'investissement. Et donc, nous reviendrons devant vous avec les arbitrages de la région dès qu'ils auront été pris par le président de région. Voilà, Monsieur le Président, j'ai essayé d'être le plus bref et le plus concis possible ce matin parce que j'ai faim. Merci, Monsieur le Président. C'est une bonne raison. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Je vois Monsieur Rasser et Monsieur Jamais. Monsieur Rasser, vous avez la parole. Oui, non, très brièvement, pour déjà remercier le vice-président Duché de cette présentation, dire aussi que, en tant que président de PCI, puis évidemment conseiller départemental, je me satisfais quand même de cette simplification, je pense, qui était quand même très attendue. On était tous confrontés sur nos territoires à des dossiers qui étaient pertinents, avaient les budgets au sein des communes ou de l'interco pour se faire, et où on avait ce petit problème de transition avec les contrats. Donc, je trouve que c'est un très, très bon travail, une très bonne proposition, et dont on doit tous, je pense, se satisfaire collectivement, et je pense qu'il sera très apprécié par les maires du département. Voilà, c'était juste pour aller dans le sens de dire que je crois que ça va vraiment répondre à une vraie demande. Et je veux pas prendre en otage notre ami Jean-Paul Legendre, mais en tant que président des maires du département, je pense aussi qu'il peut aller dans notre sens. Et il est allé déjà en conférence des présidents de PCI. Et voilà, donc je tenais à le souligner. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Jamais. Sur le mode, mon indignation n'a d'égal que ma satisfaction. Dialogue avec les communes, très bien, bravo. En revanche, la délibération est indicative, elle donne de grandes orientations à nommer chaque projet. Donc, la peur ou l'inquiétude, c'est bien évidemment dans le choix des communes et dans le choix des projets, la parfaite équanimité et objectivité dont fera preuve. On le connaît, Frédéric Duché est évidemment essentiel. Comme toujours. Le département s'est toujours attaché, Marc-Antoine Jamais, à un équilibre territorial. Et je vous ai entendu dans votre propos général expliquer que l'Ouest serait desservi par rapport à l'Est, ce qui est totalement faux. Effectivement, l'Ouest était peut-être avant 2015 un peu trop servi par rapport à l'Est. On a fait juste, c'était il y a longtemps, vous n'étiez pas là, vous étiez encore effectivement à l'époque à la région, vous regardiez ça de très très loin. Aujourd'hui, les contrats de territoire, les 141 euros, sont équilibrés sur le territoire. Et je rappelle que les contrats de territoire tels qu'ils ont été faits, c'est à base des projets qui nous ont été présentés aussi par les élus. Donc, il faut aussi que chacun se saisisse. Mais ça me permet de rebondir sur le sujet en disant que c'est aussi pour ça que nous avons créé l'Agence de la ruralité, pour mettre à disposition des communes le système d'ingénierie qu'ils n'ont pas forcément en interne, pour pouvoir les accompagner au mieux sur la réalisation de leurs projets et sur parfois faire un peu de maïeutique avec nos collègues pour les faire accoucher de projets sur leur propre territoire. Merci beaucoup. Je mets donc aux voix ce rapport. Monsieur Courel. Merci beaucoup, madame, vous avez raison. Monsieur Courel. Merci, vous m'entendez? Oui. Parfait. Oui. Je voulais saluer ce rapport qui donne... on va dire une évolution tout à fait appréciable par notamment les maires des petites communes qui se voyaient dans les précédents contrats un peu contraints et forcés pour obtenir un accompagnement financier, d'avoir un projet glissé, éligible au contrat de territoire dont
le premier paquet a été souligné par Frédéric, c'est-à-dire l'ensemble méli-mélo dans les contrats intercommunaux, supracommunaux, etc., etc. Ici, la déclinaison des contrats de territoire individualisés, je ne vais pas reprendre le rapport, école, culture, sport, patrimoine, etc., redonne de la vigueur au couple département-commune, qui, on avait l'impression que les relations différentes passées étaient plutôt dans une sorte d'intégration plus ou moins consentie, plus ou moins forcée des projets communaux dans l'intercom, et c'était la condition sine qua non pour obtenir un financement. Donc le fait de bien faire la part des choses entre les projets d'intérêt intercommunaux, bien entendu, dont chaque nature d'équipement profitera à l'ensemble des habitants d'une agglo ou d'une interco. Eh bien, ces programmes en parallèle, individualisés, libres, selon les investissements communaux, les projets des communes, redonnent de la vigueur, je dirais, de l'espoir et des perspectives de développement à la ruralité. Ça a été précisé, Frédéric l'a dit, quand il fait la tournée des popotes pour installer l'agence de ruralité, et je trouve que c'est quelque chose d'important qu'il fallait souligner. Merci. Merci beaucoup, monsieur le président Legendre. Appuie sur le micro. Push the button. Push the button. Ah, on regarde avec un bon sourire. Voilà, ça doit aller. Ça doit aller. Je vous salue tous, bien entendu. Mon intervention est pour s'inscrire dans les précédentes prises de parole, pour dire que c'est une évolution que j'avais sollicitée, enfin j'en avais parlé avec Frédéric depuis un certain temps, en reconnaissant que la politique des contrats de territoire a eu véritablement son mérite, hein, et ça a joué un véritable rôle de stimulant à un certain nombre d'initiatives, notamment dans les communes rurales, parce que ça leur a fait souvent réfléchir en termes de dire bah, « c'est le moment ou jamais », et de ce point de vue-là, ça a été très favorable. Par contre, j'ai bien vu à quel point la difficulté, notamment en termes d'ingénierie, les mettait véritablement un petit peu avec une certaine difficulté à répondre en temps utile et de façon totalement pertinente. Alors, les intercos ont joué leur rôle, hein, je pense que ça a été comme ça un petit peu partout, mais en même temps, j'avais ressenti une certaine difficulté dans l'arbitrage. Non pas pour fuir les responsabilités, mais parce que les degrés d'intégration ne sont pas les mêmes partout. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure avant moi, je pense que c'est très très bien de rétablir dans sa plénitude le couple département-commune. Et j'insiste bien sur le terme commune. Donc, ça ne veut pas dire que le nouveau dispositif donnera lieu certainement, là aussi, à des réflexions. Je m'interrogeais de savoir comment, mais Frédéric m'a déjà répondu en partie sur ce point, comment l'articulation allait se faire avec la région, puisque les temporalités ne seront pas forcément les mêmes. Avec l'État, comment l'énergie allait se... comment la DETR allait se gérer dans le cas des nouveaux contrats qui sont signés. Voilà. Mais tout ça, ça doit être tout à fait réglable. Il faudra simplement être veillatif à tout cela. Et puis, bien entendu, mais quelqu'un l'a aussi évoqué avant moi, le respect de l'égalité des territoires, de l'équité des territoires. Mais au total, je me félicite tout à fait de ce dossier. Merci beaucoup. Madame Léger. Oui. Juste une explication de vote. Moi, je m'abstiendrai sur cette délibération parce que peut-être j'ai la chance d'être dans un territoire où, jusqu'ici, le soutien de l'EPCI aux communes, et notamment en ingénierie, était
fort par la présence d'une personne, notamment qui a travaillé au département. Ma crainte, très clairement, c'est que cela redonne du pouvoir de décision commune, je le partage complètement, mais ma crainte est que nous n'avons pas dans les communes l'ingénierie nécessaire pour monter ce genre de dossier et que l'agence de ruralité en construction et avec les services qui existent et qui vont être mis en place ne puissent pas répondre à l'ensemble des demandes. Et donc, qu'on ait globalement des sujets qui passent à la trappe ou qui soient reportés sur des années ultérieures. Donc, mon abstention s'expliquera par le fait que je demande à voir le résultat potentiel de cette affaire. Merci beaucoup pour ces explications de vote. Y a-t-il d'autres prises de parole ? Je vous note le rapport aux voix qui est contre, qui s'abstient. Monsieur Jamais, Madame Léger. Je me dis plus normalement. Il lève la main. Il avait oublié. Oui. Madame Béton également. Madame Béton. Ah, c'est compliqué de tenir une discipline de groupe. Enfin, à peu près les books WhatsApp. C'est à peu près de s'en sortir. Ouais. Nous aussi, on est un peu plus nombreux dessus. J'ai remarqué que les électeurs qui ont ça, pensaient que c'était un peu vieux, mais c'est la même manip. Hein. Oui. C'est ça le principe du numérique. On peut parler à des millions de gens comme un seul. Avec un principe de la stabilité un peu. Chez Apple. Non, ou... monsieur le président, jamais. Madame Béton, j'imagine, rejoint sa boucle. L'affaire. Voilà, c'est très bien. Donc, la boucle étant ainsi bouclée, l'abstention est ainsi enregistrée. Le rapport est adopté. Rapport suivant, monsieur Xavier Hubert, sur la prévention de la radicalisation. Oui, merci, monsieur le président, mes chers collègues. Rapidement, un rapport extrêmement important sur la prévention de la radicalisation qui est complet et qui veut mettre en lumière l'action du groupement d'intérêt public qui a été créé en 2018 par le conseil départemental de l'Eure après que son président a voulu, dès le 1er janvier 2016, quelques semaines après les tragiques attentats du 13 novembre 2015, créer une cellule dédiée à la prévention de la radicalisation. Le rapport qui vous est présenté comporte deux parties, un bilan et des perspectives. Sur le bilan, je vous propose d'être assez rapide. Je veux dire que des... doivent être touchés par cette prévention dite primaire de la radicalisation et le département abonde à hauteur de 91 000 euros pour ces actions. Il y a également des actions de sensibilisation et de formation. Plus de 250 interventions ont été faites jusqu'à présent pour toucher un peu plus de 2000 personnes. Un troisième volet extrêmement important, c'est la prise en charge des situations individuelles, des situations signalées de personnes en voie de radicalisation. Et à ce titre, à la fin de l'année 2021, 46 situations avaient été signalées et le département accompagne certains profils radicalisés, notamment avec une psychologue en lien avec le nouvel hôpital de Navarre. Et à ce jour, 8 accompagnements ont été réalisés, dont 6 encore en cours. Et puis, dernier point, l'animation d'un réseau de vigilance, qui s'appuie sur un certain nombre de documents édités par le GIP et notamment un kit de fiches pratiques de prévention de la radicalisation qui a été distribué aux élus de l'Eure. Voilà pour, rapidement encore, mais le rapport complète mon propos sur le bilan des 3 années dernières. Il faut peut-être maintenant s'attacher aux actions que peut porter et le GIP et le département dans l'avenir. Pour les actions portées par le GIP, nous souhaitons élargir le public qui pourrait être touché par et sensibilisé à ce phénomène auprès notamment des jeunes qui font un service national universel, des élus, des clubs sportifs dans lesquels il faut être vigilant et attentif, des gardiens d'immeubles et plus généralement des agents, des bailleurs sociaux, des entreprises également où peuvent être sensibilisés des publics plus larges et enfin les structures d'insertion aussi et qui peuvent bénéficier utilement de
ces kits de formation ou ces documents qui ont été élaborés par le GIP. Et puis également, ce que nous souhaitons mettre en avant, c'est un conventionnement avec le nouvel hôpital de Navarre pour qu'il prenne en charge, outre, j'en ai dit un mot, du bénéfice d'un psychologue, peut-être davantage même un éducateur ou un psychiatre pour accompagner des profils individuels. Nous allons également poursuivre des recherches un peu théoriques, mais enfin sur le terrain néanmoins, en sociologie particulièrement pour mieux comprendre les phénomènes de radicalisation. Et actuellement, une étude est en cours dans les quartiers prioritaires de la ville. Nous souhaitons étendre cette étude dans le secteur rural pour mieux comprendre ces phénomènes. Et puis, très, très rapidement, pour conclure sur ce rapport, un certain nombre d'actions portées par le département directement qui visent à prévenir la radicalisation. Alors, ça peut être justement la promotion et le développement des formations sur les valeurs de la République, sur les valeurs de laïcité auprès d'un certain nombre de publics, d'inclure le respect de la laïcité et des valeurs de la République dans les conventions de financement des associations et des collectivités, que ces associations et collectivités aient des comptes à rendre à ce sujet, exclure, ça paraît naturel, des passations de marché les personnes qui ont été condamnées pour terrorisme ou son financement ou association de malfaiteurs, et enfin renforcer le lien entre cette politique de prévention de la radicalisation avec tout ce qui est fait en matière de prévention spécialisée. Et notamment, vous savez que nous avons relancé depuis le mois de juillet dernier une politique ambitieuse dans les quartiers prioritaires de la ville avec la présence d'éducateurs spécialisés. Voilà, Monsieur le Président, la synthèse de ce rapport. Merci, Monsieur le Président. Y a-t-il des prises de parole ? Monsieur le Président, jamais. Non, simplement pour avoir le souvenir récent à la demande du directeur de la prison qui est situé à Val-de-Reuil d'avoir fait un public de radicaliser une communication d'instruction civique qui aurait pu à bien des égards être une communication d'instruction civique de 6e ou de 5e. La profondeur, la difficulté de notre tâche est grande parce qu'elle passe par il y a quand même une part de complotisme, de simplicité, oui, de peu d'intelligence, d'ouverture insuffisante sur le monde, qui malheureusement, au-delà d'un plan nécessaire, bien évidemment, passe par l'éducation, la formation, pardon de dire ce qui était autrefois le service national, peut-être aussi un peu de drapeau bleu, blanc, rouge, de la liberté, l'égalité, de la fraternité, des symboles, des valeurs de la République, pas tellement incarnés aux extrêmes, mais que nous devrions incarner plus souvent. Et voilà, donc bravo pour tout cela, en sachant que la tâche est immense et que c'est une goutte. Enfin, j'ai été très frappé par la difficulté à percer le mur de gens qui n'ont pas les mêmes mécanismes de pensée ou ne les ont pas acquis au moment où ils ont dû les acquérir. Voilà. Souvenir personnel. Ouais, très clair, je partage. Monsieur Bonenfant. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, merci. Donc moi, je voulais donc signaler aussi donc, l'extrême nécessité, ça fera le lien aussi peut-être avec le rapport donc, suivant, donc, de conjuguer les phénomènes de radicalisation donc, sur Internet, sur les réseaux sociaux, et la nécessaire, donc, le nécessaire besoin donc, de conjuguer donc, le harcèlement, et notamment celui-ci qui peut aboutir donc, à la radicalisation de certains jeunes du département. Merci beaucoup, M. Bonenfant. Y a-t-il d'autres prises de parole ? Je vous en remercie. Je mets donc aux voix qui est contre, qui s'abstient. Le rapport est adopté à l'unanimité. Rapport suivant, M. Hubert, sur le contrat de sécurité intégrée. Merci, M. le Président. Un contrat extrêmement important qui vous est soumis ce matin, en fin de matinée, qui a vocation à rassembler dans un seul document les politiques que le département veut mener en matière de sécurité et auxquelles est associé l'État ou l'inverse, l'État et le département s'associent dans ce contrat de sécurité intégrée. C'est
une première en France, hein, un dispositif unique en France, puisque si l'État a signé avec un certain nombre de collectivités, communes, métropoles, des contrats de sécurité intégrée, le contrat avec le département de l'Eure est le premier en France, et c'est souligné le fait que même si en matière de sécurité, l'État est naturellement compétent, c'est une compétence régalienne, l'ensemble des politiques menées par le département a toute vocation à s'intégrer et à appuyer les efforts qui sont déployés par l'État pour parvenir à plus de sécurité dans nos territoires. Le contrat de sécurité intégrée a cette particularité de définir la sécurité au sens large. Alors, bien sûr, la prévention de la délinquance, l'accompagnement des victimes, mais également la sécurité routière, la sécurité civile, la sécurité incendie et la prévention des catastrophes naturelles. Et là encore, on se rend compte que le département mène déjà de façon éparse et donc rassemblée dans ce contrat des politiques tout à fait concrètes. Le contrat, précisément, comme vous l'avez lu, fait état d'actions très concrètes, d'engagement de part et d'autre, de l'État et du département, dans un certain nombre de domaines. Le contrat est divisé en quatre parties. Peut-être très rapidement, on va voir sur la slide suivante ces différentes parties. Une première partie qui est, j'allais dire, peut-être presque plus classique, de prévention de la délinquance, de lutte contre le séparatisme, on vient d'en parler, et d'aide aux victimes. Pour ce qui concerne le département, vous savez que pour la prévention de la délinquance, nous avons mis en place depuis quelques mois, je le disais à l'instant, la présence auprès des jeunes dans les quartiers prioritaires de la ville de 6 éducateurs spécialisés qui ont véritablement ce rôle de prévention de la délinquance, de lutte contre le séparatisme. Nous avons également dans ce contrat l'engagement du micro d'ouverture. Merci beaucoup. Et l'engagement de former, par exemple, les agents de nos collèges, les agents de loge de nos collèges qui sont en contact direct avec les collégiens. Je rappelle également que nous finançons à parité avec l'État les interventions, des intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie qui, eux, sont en prise directe avec les victimes et potentiellement les auteurs, et que sur le quartier d'Évreux-la-Madeleine, les bataillons de prévention vont être déployés pendant au moins une année, et qui comprennent des éducateurs spécialisés et des médiateurs en charge, qui sont pris en charge par la ville d'Évreux et Nicolas Gavard-Gongali. Lutte contre le séparatisme, je ne reviens pas sur ces questions qui ont été vues dans le rapport JIP précédent. Aide aux victimes, c'est véritablement un engagement que nous avions formulé pendant la campagne, que nous assumons avec la mise en place d'un véritable réseau d'aide aux victimes, réseau de collectivités, réseau associatif, qui notamment ont signé un protocole de lutte contre les violences faites aux femmes et plus généralement les violences intrafamiliales. Le département prend sa part dans cette lutte contre les violences familiales d'une façon générale. Deuxième partie, une culture de la sécurité routière. Il n'est peut-être pas utile que j'insiste sur les dispositifs que vous connaissez de répartition des amendes de police qui sont classiques, mais qui peuvent aider toutes les communes à engager des dispositifs de sécurité routière. Le département veut aussi s'engager avec l'État sur l'examen au cas par cas des accidents mortels. Vous savez que les chiffres dans le département de l'Eure ne sont pas bons ces deux dernières années et qu'il faut trouver des solutions concrètes. Et enfin, sécurité au sens large routière, peut dire aussi que nous voulons moderniser un certain nombre des équipements du SDIS pour accentuer l'efficacité de leurs interventions. Peut-être ensuite un mot sur les équipements, une troisième partie. C'était un engagement de notre campagne d'aider, de rendre la sécurité efficace au travers notamment
d'un engagement de fibrer toutes les casernes, locaux de service, centres de secours des pompiers, gendarmerie et police pour leur permettre une intervention sans faille, un soutien à la création des polices municipales, particulièrement dans les communes nouvelles et les polices intercommunales, et puis un dispositif que vous connaissez bien de la vidéoprotection. Nous souhaitons équiper tous les collèges, la plupart le sont déjà, mais pas tous encore, plus une quinzaine de sites départementaux. Et puis, nous allons également offrir une aide aux communes qui souhaiteraient mettre de la vidéoprotection aux abords des écoles. Nous avons également, et vous le savez, pris l'engagement de sécuriser avec Mon Logement 27 l'intégralité des halls d'immeubles, des cages d'escalier pour, là encore, être efficace en matière de prévention de la délinquance. Et donc, ce sont des exemples concrets. Je conclurai en disant qu'il y a une quatrième partie de ce contrat qui concerne les questions d'attractivité de notre département de l'Eure pour accueillir des pompiers, des policiers, des gendarmes. Il faut accueillir les candidats, leurs familles, et donc le département peut déployer des aides pour aider les bailleurs, les futurs candidats à se loger au travers de nos bailleurs, et puis développer également ce qui a été appelé un programme poignée de porte, pardon, pour faciliter la réhabilitation de logements et améliorer les conditions de vie et d'attractivité de notre département. Voilà, il y a des projets phares qui également sont cités. Une plateforme unique de réception et de traitement des appels d'urgence avait été demandée, ça peut être évidemment tout à fait utile. Un réseau départemental de protection et d'accompagnement des victimes, je l'ai cité. Et puis, le dispositif de premier équipement des forces de police municipale. Vous savez que nous avons déployé une enveloppe pour aider à cette action phare. En conclusion, je remercie le président d'avoir voulu être département pilote et je remercie également le directeur général des services et le directeur de cabinet qui ont participé personnellement à la rédaction de ce contrat très concret qui est signé pour une durée de 5 ans, qui sera évalué année en année avec au moins 2 rendez-vous avec l'État et les services du département pour véritablement vérifier que les politiques publiques ambitieuses que nous souhaitons mettre en place se déclinent de façon réelle et concrète. Claire. Yazid, des prises de parole. Alors, je vois plusieurs. Madame Léger, Monsieur Jamais, Madame D et Monsieur Bonenfant. Je propose à Madame D, qui n'a pas encore eu la parole, de ouvrir le bal. Chers collègues, Monsieur le Ministre, après cette présentation, je m'interroge sur ce fourre-tout, sur ce dispositif un peu fourre-tout qui va des catastrophes naturelles aux violences faites aux femmes. Il y a de l'écho, non, il me semble. Et un sifflement. Il n'y a plus. Oui. Donc, où aussi on mélange la protection avec la sécurité. Donc, c'est juste une petite suggestion, peut-être aurions-nous dû éventuellement procéder à des assises de la protection et de la sécurité afin d'en discuter un petit peu plus largement. Voilà ma remarque. Très clair, merci beaucoup, Madame Léger. Oui, une question. Madame Léger. Oui, une question. Sur le réseau départemental, il existe actuellement une association, l'AVED, qui a été absorbée par RISOS, elle-même absorbée par SOS. Donc tout cela est très national maintenant, avec des déclinaisons départementales. L'AVED, à ma connaissance, a des assistants sociaux, des éducateurs, psychologues, etc. Donc, quelle va être la place de cette association dans ce réseau départemental, en substitution ou en partenariat? Voilà, c'était ma question. Merci beaucoup, Monsieur Bonenfant. Merci, Monsieur le Président.
Nous fêtons aujourd'hui le triste anniversaire des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, et je salue la mémoire des victimes. C'était il y a 7 ans, ils ont profondément changé le besoin de sécurité voulu de nos concitoyens. Je pourrais aussi citer les autres attentats, mais aussi l'accident industriel de Lubrizol et bien évidemment la pandémie de la Covid-19. Nous pouvons donc nous réjouir de la proposition de ce contrat de sécurité intégré et saluer la diligence et le volontarisme de notre institution. Ce contrat de sécurité intégré est nécessaire. Il est une continuité des actions entreprises lors de la précédente mandature départementale. La sécurité est l'affaire de tous, dit-on. Il faut qu'elle devienne une culture commune à toutes les Auroises et à tous les Aurois, à tous les âges de la vie. Nous avons des marges de progrès énormes si nous nous comparons par exemple aux Japonais, que nous ne devons pas singer, mais qui peuvent être pour nous une source d'inspiration. Le contrat de sécurité marque notre ambition collective. Alors la sécurité, elle est systémique. Elle consiste à protéger les personnes et les biens d'actes délictueux, criminels et accidentels dans le monde réel, mais je veux aussi souligner dans le cyberespace. C'est bien le cas dans ce contrat de sécurité intégré qui appréhende les domaines de la sécurité générale, de la sécurité civile, de la sécurité routière, de la cybersécurité un peu. Je voudrais aussi saluer l'engagement du département dans la sécurité sanitaire donc des Auroises et des Aurois depuis le début de la crise sanitaire de la Covid-19. Nous pouvons aussi apprécier la prise en compte de notre compétence de solidarité territoriale vers des communes, notamment et en prenant en compte notamment les évolutions permises par la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés individuelles et la loi du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et des sapeurs-pompiers professionnels, dite loi Matras. Le domaine de la cybersécurité devra, à mon sens, sans doute être renforcé et fera l'objet d'actualisation de notre contrat. Personnellement, je me réjouis de la reconnaissance de ceux qui font la sécurité et de la volonté d'améliorer leurs conditions d'exercice de leur métier, mais aussi leurs conditions de vie, à eux directement, mais aussi à leur famille. Conjuguer les solidarités humaines et la sécurité, notamment dans les domaines de l'ASE et de la prévention spécialisée, est primordial. Donc, je tiens à remercier l'action des agents du Conseil départemental du domaine des solidarités, qui symbolisent aussi l'étendard de la République et qui doivent être protégés. Je pourrais aussi citer les agents de la Direction de la mobilité et tant d'autres. Pour que la boucle soit bouclée, je salue enfin la collaboration voulue avec la justice et particulièrement l'engagement du département sur les travaux d'intérêt généraux alternatifs à la prison. En synthèse, je suis personnellement fier, mais je sais que cette fierté est partagée par beaucoup d'entre nous, pour que nous revendiquions et assumions pleinement notre contribution à la sécurité des Auroises et des Aurois. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Bonenfant. Monsieur Jabbé. Quelques éléments. Tout pas en avant vers la sécurité est un pas qui est appréciable par définition. Ceux qui l'ont dit, hein, c'est un des premiers biens publics. Ça fait partie de ceux que nous devons aux plus faibles de la société, les plus âgés, les plus précarisés, les plus jeunes, bien évidemment. Un contrat tel que celui-ci, il a été signé en effet à Toulouse en premier. Gérald Darmanin l'a voulu, c'est plutôt une bonne chose. Il a comme pour but essentiellement de rapprocher la police nationale des polices municipales. Or, il n'y a pas de police départementale, assez peu, donc on comprend mal. Et peut-être que ma collègue Déhaye, quand elle disait que ça partait un peu dans tous les sens, notait en même temps l'absence de cette colonne vertébrale. C'est le propos. Bon, donc, très bien. La deuxième chose, c'est qu'elle a confondu des situations, alors bien même que vous avez dit, et vous avez eu raison de dire, que telle mesure à Évreux, telle autre ailleurs, etc. Elle a confondu des situations dans des circonscriptions de police qui ne sont pas les mêmes, qui n'ont pas les mêmes difficultés, et donc elle les met ensemble, alors qu'elle aurait dû, au lieu de confondre, consolider simplement, à mon avis. Ça, c'est pour l'échelon infra-départemental qui est communal, et supra-départemental, si tant est qu'on puisse parler ainsi, l'échelon régional. Vous dites des caméras devant les écoles, pourquoi pas aider, très bien, et souvent vous avez pris des actions communes pour les aider, mais en matière d'éducation, et on sait que les conneries ne s'arrêtent pas à 14 ans, malheureusement. Vous aviez également l'échelon du lycée et de la région sur lequel il aurait été bien peut-être que nous puissions avoir, mais peut-être est-ce dans les tuyaux, quelque chose. Mais moi, je vais m'abstenir sur cette délibération, non pas que je ne veuille pas soutenir la sécurité, je suis assez sécuritaire, mais parce qu'il y manque quelque chose d'essentiel.
Notre problème, c'est celui de la fidélisation des agents de police nationale. Et donc, de ne pas le mentionner, on en parler, même si on ne peut pas faire quelque chose, mais c'est-à-dire que le cœur de notre problème, c'est d'arriver à fidéliser l'encadrement intermédiaire, les officiers de police judiciaire, les adjoints de commissaires, voire les commissaires, on a connu encore récemment une mauvaise surprise. Je le regrette, je pense, mais, et je me tourne vers le ministre, dont je sais les bonnes relations avec le ministre de l'Intérieur, et il a raison. Véritablement, c'est le but qu'on ne puisse pas dire « je préfère être en Seine-Maritime » ou « je préfère être dans les Yvelines » parce que j'aime bien l'heure, mais vraiment, il me manquait à la fin du mois 60 euros, 80, 120, on entend parfois, et voilà, à la fin de la, ça fait un mois de plus à la fin de l'année. Donc, je m'abstiendrai parce que le cœur de notre problème, c'est de faire une belle action politique pour faire en sorte que nos policiers, plus envie de rester, sont des gens capables, qui aiment notre département généralement, mais qui sont soumis parfois à des choses que l'on comprend, c'est-à-dire un peu plus d'argent ailleurs. Merci beaucoup, monsieur. J'avais monsieur Hubert pour répondre. Bien, pour répondre très rapidement, c'est vrai que nous avons pris le parti de définir la sécurité de façon large parce que, peut-être comme l'a dit Sylvain Bonenfant, le besoin de sécurité, il s'étend non pas simplement à la question de la prévention de la délinquance, mais qu'il est systémique et donc c'est vrai que ce contrat prend la sécurité dans son sens large. Je réponds en cela à Madame Day. Il met en évidence également les multiples facettes des politiques départementales qui ont lien avec la sécurité. Donc, je pense que c'était un bon parti pris et permet de voir l'État et le département, tout ce qui est fait dans les différentes acceptions du sens de la sécurité. Pour répondre à Yannick Léger, oui, la VEDACJE est une association très reconnue qui fait un travail remarquable dans tout le département, avec d'autres associations, Accueil Service et IDFF. Hein, et donc, le contrat en question vise à développer un partenariat et ne pas se substituer à ces associations qui sont reconnues, et notamment pour le travail qu'elles font avec l'institution judiciaire. Et puis, pour ce qui concerne la remarque de M. Jamais sur la fidélisation des... Bien sûr qu'il faut travailler sur l'attractivité, c'est la quatrième partie du contrat, avec des engagements de l'État qui peuvent évoluer, et évoluer favorablement. Et à l'échelle départementale, nous essayons, nous, de favoriser les conditions d'accueil, d'accès, de logement, je l'ai dit, l'accès à la fibre, enfin des choses qui sont peut-être anodines, mais qui rendent un territoire attractif, et ça, nous avons bien conscience qu'il faut poursuivre dans ce domaine-là. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Hubert. On va donc passer aux voix, à la mise en délibération, en tout cas, qui est contre ce rapport. Eh bien, on lui laisse la parole pour qu'on puisse avoir son explication de vote. Vous m'entendez là maintenant ? Oui, Marine. Oui, donc je ne voterai pas contre, mais je m'abstiendrai parce qu'il y a aussi une question que je me pose, c'est par rapport à la légalité de ces subventions envers l'État, alors, puisque la sécurité n'entre pas dans nos prérogatives. Monsieur Hubert. Oui, cette question-là, effectivement, est importante et le dispositif a été examiné avec les services du préfet, validé par le préfet, parce que précisément, on ne prend pas la compétence en matière mais de police municipale notamment, mais on appuie, on aide, on donne une subvention pour favoriser les équipements, le matériel des policiers municipaux ou aider à la création de ces polices sans évidemment prendre la compétence. Et donc là, le dispositif est juridiquement sécurisé. Bien, je mets donc aux voix. Qui s'oppose ? Qui s'abstient ? J'ai noté Monsieur Jamais, Madame Léger, Madame Béton, Monsieur Onodibio. Je ne vois pas la main de Monsieur Levitre. Monsieur Levitre qui s'agite là. Oui, mais on appuie sur le bouton main levée.
On note Monsieur Levitre. Et par cohérence, je pose la question pour Madame D. Je ne vois plus. Ok, je ne vois plus, c'est pour ça. Mais je... Parfait. Abstention des collègues indiqués. Merci beaucoup. Rapport suivant, Monsieur Longre. Oui, Monsieur le Président, merci beaucoup. Et bonjour à tous. Donc, c'est un rapport, j'ai trois rapports à présenter, trois rapports très techniques, hein, puisqu'il s'agit aujourd'hui, dans le cadre de l'expérimentation que le département a engagée en novembre 2016, suite à l'adoption de notre comptabilité M27, de continuer à voter notre budget par nature, ce qui nous permet aujourd'hui, entre chapitres, d'avoir une fongibilité des crédits à hauteur de 7,5%, puisqu'on l'avait déjà par article, mais que cette fongibilité n'existe pas par rapport à notre 0,12, qui est, je dirais, le crédit destiné au personnel. Et donc, l'objectif de cette délibération, continuer à voter notre budget par nature et autoriser la fongibilité entre les chapitres. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Y a-t-il des questions ? Ah oui, c'est les... À la fin des trois, peut-être, non ? On peut faire une discussion commune. Bah, allez-y, Monsieur Long, faites une présentation commune. OK. Deuxième rapport, je ne sais plus dans quel ordre, c'est la dotation... Dotation provision. Comme vous l'avez vu, lors du mois d'octobre, nous avions, voté nos stocks de provisions à pratiquement hauteur de 12,8 millions d'euros. Pour les années antécédentes à l'année 2021. Et pour l'année 2021, je vous propose un réajustement à hauteur de 28 000 euros dans les différents crédits de stock que nous avions, le crédit de stock des provisions que nous avions ouvert. Et de passer de 12 882 286 à 12 855 582 euros, soit une variation de 26 704 euros. Merci, Monsieur le Président. Et pour l'autorisation d'exécuter le budget avant le vote de notre BP ? Oui, donc comme chaque collectivité, dans l'attente de vote de notre budget, on autorise le Président à engager un quart de ses dépenses d'investissement par rapport aux dépenses d'année N-1. Merci, Monsieur le Président Leong. Discussion commune ouverte sur ces trois délibérations. Monsieur le Président Jamais, vous avez la parole. Ce sera juste la parole au président Courrel, comme président de la commission des finances. Ah, peut-être non, bah avant. Oui, normalement avant. Ouais, c'est ça, mais je ne le vois pas du regard. Le problème de la visio, c'est que. Le problème, c'est ce que je viens de dire, mais le problème de la visio, c'est que je ne vois pas le. Je ne vois plus. Je ne vois pas grand-chose, pour être complètement honnête. Je veux dire qu'en général, je ne me retire pas de la parole. On va dire la même chose pendant 15 ans, c'est difficile. Et en fait, je fais attention à cela. Le principe d'une commission, c'est qu'elle rapporte. La commission de finances a permis, mais... Monsieur Courrel. C'est plus là. Eh bien, on enregistre le fait que nous n'avons plus de président de la commission des finances pour cette discussion. Est-ce que le vice-président ou la vice-présidente de la commission des finances est là ? Ben, c'est Monsieur Long, donc c'est pratique. On laisse la parole à Monsieur Jamais. Oui, ça va être un peu technique, mais... On va arriver à suivre. Oui, oula. Vice-président aux finances pendant 15 ans et également d'un magistrat à la Cour des comptes. Mais, il y en a d'autres. Oui, bien sûr. Ça pullule, on tape dans un. Dans l'heure, de plus en plus. Là, il entend. Mais je note que la délibération présentée aurait dû mentionner, mais ce n'est pas très grave. Normalement, le montant et l'affectation des crédits qui. Par chapitre, donc, on s'en souvient et que. Deuxièmement, je souligne quand même que si tout ce qui est en AP et en AE ne va pas faire l'objet de nouveaux crédits et que donc pas de projets nouveaux qui pourront être engagés, ce qui peut être dommage, et c'est peut-être l'explication de pourquoi on vote en décembre ou en janvier le plus tôt possible notre budget. Je ne sais pas quand est-ce que vous pensez que vous pourrez voter le budget. Mars. Bon, là, c'est pour moi. Comme toujours dans cette collectivité. Oui. C'est ancienne, je veux dire. Parce que c'est le premier budget en 2016. La collectivité régionale a été votée en avril, je crois, à la limite exacte du temps nécessaire avec dérogation. Donc, ça arrive dans plein d'endroits. Beaucoup de grandes collectivités le font. J'indique simplement que pas de projet nouveau. Et que c'est pour ça qu'on est plutôt pour les actions nouvelles et pas bloquer le fonctionnement de la collectivité, désireux de voter plus vite possible. Puis la troisième et dernière chose, vous venez d'indiquer un plafond, monsieur le vice-président. Le tout est d'avoir des instruments qui nous permettent de suivre ce plafond, de le communiquer au comptable public, de respecter le code général des collectivités territoriales. Donc, ma question est, avez-vous ces instruments de suivi à ces fins qui... Oui, puisqu'ils sont à votre disposition au service des finances et vous allez les consulter quand vous voulez. Je vous crois par avance, c'était juste
le 25%, comment on y arrive, on a déjà mis en place l'instrument. Donc, c'est voilà, pas de choses nouvelles. Les crédits et les affectations peut-être auraient pu être davantage, mais pourquoi pas, ou puis il faut qu'on aille vite. Et enfin, les instruments de suivi, vous dites qu'ils existent. Sur les provisions, puisque bien sûr, la DGFiP nous surveille et nous contrôle sur ces effets-là. Par contre, le fait d'ouverture des crédits que nous votons d'habitude en décembre sur le quart des engagements, aujourd'hui nous permet quand même de lancer un certain nombre de projets par rapport à des demandes spécifiques de collectivités. Voilà. Oui. Je vois la prise de parole de Monsieur Rassaer. Non, très, très rapidement sur la question de la date de vote du budget. Enfin, Monsieur Jamais le sait, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait des gens qui nous regardent, n'est-ce pas ? Et pourquoi on vote ça en mars ou en avril, souvent dans les collectivités ? C'est parce qu'on veut être au plus juste, avoir les informations aussi de la DGFiP sur ses dotations et sur notre fiscalité. Et c'est pour ça qu'on vote le plus tard possible, souvent, de ce qui nous est laissé, pour être au plus précis sur… Parce que même si c'est du prévisionnel, on doit être sincère. Voilà. Donc, c'est juste un complément. Montant des dotations et réalité fiscale. On peut aussi mettre un budget primaire, puis ensuite faire une délibération modificative une fois qu'on s'est mis… C'était pas une critique violente, bien sûr. Une interrogation technique sur… Avec une particularité pour les finances d'un conseil départemental, ce qu'on trouve un peu moins dans d'autres strates de collectivités. Il n'y a pas de mauvaise surprise en général, l'attente sur la DGF, elle est d'une dynamique en général très très linéaire sur le bloc départemental. Ce n'est pas le cas sur le bloc communal avec les variations de péréquation que l'on connaît. Et en revanche, les variations sont brutales sur le DMTO. Et ça, on l'a vu sur quelques exercices, entre ce qu'on imagine, enfin, c'est bien un instrument de fiscalité dont il est compliqué de faire des projections, c'est bien celui-ci. En fait, la vraie inconnue, ce sont ces frais dits de notaire, en tout cas des MTO, sur lesquels la prévisibilité parfois est un peu complexe. Ça explique aussi ce pourquoi. Je vous propose de mettre aux voix chacun des rapports indépendamment. Le premier rapport sur le maintien du vote du budget départemental par nature, je mets donc aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, merci. La dotation en provision, je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, merci beaucoup. Et l'autorisation d'exécuter le budget préalablement, je mets donc aux voix, qui est contre, qui s'abstient. Monsieur Jamais, vous abstenez sur… Oui, le d'accord. J'ai un petit doute sur les actions nouvelles, mais… Donc, le groupe de Monsieur Jamais. Le large rassemblement qu'on est par le socialiste national que vous avez dit. Non, je me moque, c'est bienveillant. On enregistre ainsi l'abstention. Pas de demande de vœux, pas de questions orales. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée, mes chers collègues.